Du coup, programme d'aujourd'hui, les gars, je vous l'ai dit, on va discuter un petit peu. Après, on va regarder le speedrun d'Elden Ring. Les gars, le record de speedrun Elden Ring en any pourcent. Vous vous rappelez, hein, la semaine dernière, quand on avait fini le jeu, c'était quand? C'était mercredi soir. Le record était à 1 heure environ, 57 minutes. Là, maintenant, on est sur du 28 minutes, hein, 27 minutes. C'est en dessous de 30 minutes. Donc bon, et je pense que ça peut encore aller plus bas s'il y a d'autres glitches majeurs qui sont trouvés ou qui sont régularisés, dans le sens où il y en a un qui est vraiment ouf, je vous montrerai tout à l'heure, mais qui est dur à régulariser comme glitch. En gros, c'est un truc où vous levez votre arme, vous la mettez en mode défense et vous faites des petits inputs avant, vers la direction où vous voulez vous TP, et ça vous TP d'un coup super loin. Sauf que c'est pas très régu, hein, c'est vraiment pas très régu du tout. Ouais, c'est disto pour l'instant. Donc moi, ce que je voulais vous faire, en fait, ce que je voulais faire avec le speedrun d'Elden Ring, vu que je vous avais mis au courant, hein, que ça m'intéressait, je voulais commencer par le NI%. En plus, ça va me permettre de jouer d'une façon dont j'ai pas du tout joué sur le let's play. Hein. On a fait pas d'invoc, pas d'esprit, même pas de fiole spéciale. Fiole miraculeuse, je crois. Pas d'invoc, pas d'esprit, pas de fiole miraculeuse, pas de magie. Ah, c'était vanilla. On a joué en mode vanilla. Du coup, le speedrun any% va me permettre de me faire plaisir, puisqu'apparemment, avec le stomp au sol qu'on met, ça fait très très mal, donc j'ai hâte. Le seul truc, c'est qu'il faut pas mourir, et ça, je pense que ça risque d'être compliqué, on va apprendre. Merci Bougalou, les bons tuyaux, pour ton troisième mois d'abonnement, c'est très très gentil. Dis-moi, sur ton SP, tu joues en faisant attention au lore, ou pas du tout? Pas trop, on a fait quelques quêtes secondaires. J'ai lu les dialogues, si c'est ça que tu demandes, hein, mais non, j'ai pas lu la description de tous les objets. C'est toujours un petit peu secondaire chez moi, le lore. Je m'y intéresse après avoir fait le jeu. Hein. Je viens de modifier mon build en mage et c'est ultra vénère. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais commencer à apprendre le speedrun de l'Any%. Je pense que je vais faire un petit record dessus, un record perso, hein, pas un record mondial, je vous dis ça tout de suite. Juste que dès que j'aurai un temps où je suis plutôt content, j'arrêterai. Et la prochaine étape, c'est de faire le speedrun All Remembrances. Donc c'est le tous les souvenirs en français, si vous préférez. Vous vous rappelez, dans le jeu, il y a des boss principaux. Ces boss principaux nous donnent des souvenirs, souvenirs qu'on peut échanger avec un sort ou une pièce d'équipement, une arme. C'est ça le speedrun, donc c'est tous les boss qui donnent des souvenirs. Seul souci, c'est que dans cette run-là, il y a des boss qui sont compliqués, genre Milena, il y a Mog. Mog, je l'ai fait off-stream, du coup, très très stylé. Donc bon, ça va prendre un petit peu plus de temps, et surtout, là, je suis obligé de speedrun le NI%. J'espère que ça marche, j'ai pas testé sur PS5. C'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça marche. On va essayer de speedrun le jeu sur PS5. Tant que j'ai pas mon nouveau PC, je peux pas speedrun le jeu en tous les souvenirs en All Remembrances, parce que bah, je peux pas streamer et jouer sur l'ordinateur. Je suis obligé de streamer sur l'ordi et de jouer sur console. Donc j'espère que les strats du speedrun là, de distorsion marchent sur PS5. On va voir. Je crois que t'as loupé deux gros boss secondaires avec cinématique. Bah j'ai fait Mog, je l'ai fait off-stream du coup, ça c'est sûr. Et ça, on l'avait pas fait dans le let's play, Mog. Et l'autre, je vois pas de qui tu parles. Milena, on l'a croisé, j'ai juste pas fait le fight. Je sais pas. Merci Aidam, c'est Hesebe pour ton prime. Je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, bienvenue. Merci Fatboob pour tes 5 balles, c'est très très gentil, très généreux, j'avais pas vu. Peut-être avec la quête de Rani. Bah le boss avec la quête de Rani, c'est le méga dragon rouge là dans la zone souterraine. J'ai débloqué toutes les zones souterraines aussi, les gars. Off stream. Et bon, un peu déçu quand même. À part la zone avec Mog et Mog, j'ai vraiment pas trop kiffé. Hein. En fait, c'était très joli la Sofria quand on y allait la première fois. Mais après, bon, ça commence un petit peu à se répéter. Ça fait un petit coup de pression le truc où il y a les fourmis, mais sinon. Ah, le manoir volcan. Oui, ça, je l'ai pas fait, ça, non plus. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait sur mon truc principal. Tu as fait le boss secret de la last zone, celle avec les tornades. Alors, de qui tu parles, Bido? Je sais pas de qui tu parles. Théoriquement, tu peux... A Distortion a fait les glitches à la manette, donc si, je pense. Ça veut strictement rien dire, Cactus. C'est pas parce que lui joue à la manette sur PC que les glitches marchent sur console. En fait, tout dépend de la version du logiciel que tu utilises. En l'occurrence, le logiciel, c'est un jeu vidéo, c'est Elden Ring. S'il y a des trucs qui ont été patchés sur la dernière mise à jour, je pourrais pas les faire. Après, j'ai l'impression, j'ai lancé le jeu tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai une version
antérieure à la version sur laquelle Disto run. Donc normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Merci fan manga pour ton 4e mois d'abonnement. Fan manga ici, un weeb. Un weeb sur cette chaîne. Arigato gozaimashita. Ça fait très plaisir. Je sais plus ce que ça veut dire, arigato. Bah, je crois que ça veut dire. Non. Comment on dit déjà? Bonjour, c'est. Ah non, c'est itadakimasu. Voilà. Itadakimagagagagagas. Merci beaucoup. Ghostwire Tokyo, oui, ça me hype. Bah oui, je vous en ai déjà parlé. Moi, je suis très curieux. J'ai hâte d'y jouer. Hein. Il sort bientôt en plus. Hein. Il sort bientôt. Moi, j'ai hâte de tâter. Et peut-être que j'ai une OP sur le jeu en plus, les gars. Bah alors là, on rentabilise à fond. Hein. Oui, il te manque un boss secret. Ah d'accord. Bon. Bah, je le ferai off-stream. Hein. Des nouvelles de Bill. J'ai appelé le service client ce matin. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, je suis censé recevoir mon nouveau PC cette semaine. Je les ai appelés ce matin. Le mec travaille dessus. Il me rappelle dès que c'est bon pour que je puisse finir la transaction. Et ce sera good. Pour vous donner un petit peu la config de la bestiole hein, que je vais recevoir à la Zonze. Normalement, je l'ai cette semaine. Hein. En tout cas, dès que je le reçois, ça part en stream installation. Et on va tester ça ensemble. Alors, la config de la bête. Alors, AMD Ryzen 9 5950X, carte mère X570 Aorus Pro, mémoire 64Go DDR4, SSD, j'aurai un 2Tera NVMe en Gen 4, en disque interne, j'ai un disque interne de 2Tera, en carte graphique, ce sera une 3090. Je crois que j'ai une carte réseau aussi, genre je peux me servir du Wi-Fi. Ça peut servir, hein, mais bon, pas tellement. En alimentation, c'est une 850 watts 80 plus gold. Et j'aurai Windows 11 dessus. Voilà. Donc, pas mal. Hein. En fait, je me suis replié vers vos conseils parce que vous m'aviez dit que c'est intéressant un Ryzen en processeur. Donc je me suis dit, pourquoi pas? J'ai jamais eu... Voilà, si, mon tout premier PC, c'était un AMD, mais c'était tard l'ancienne, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'était tard l'ancienne, c'était à l'époque... Bah, c'était mon premier PC, donc à l'époque où Battlefield 3 venait de sortir. J'avais un AMD en CPU et en GPU. Mais bon, il n'a pas fait long feu, le PC. Hein, il n'a pas duré trop longtemps. Puisque après, j'ai vite acheté un... Enfin non, c'est mon grand-père qui, pour mes études, m'avait acheté un PC portable gamer, et il était déjà mieux que mon PC de bureau, donc... C'était un truc que j'avais eu à Noël, le PC là avec l'AMD à 600 balles, sur Cdiscount à l'époque. Merci Sephiroth pour ton Prime. C'était mon premier PC. Hein. Mais du coup, ouais, AMD, faut éviter les GPU, c'est ce que j'ai vu. Apparemment, j'ai regardé des comparatifs sur Internet. Ce qu'ils disaient, et ce que vous me disiez, du coup vous avez plutôt raison, hein. C'était focaliser le CPU sur un AMD, donc voilà, le 5950X, je crois que c'est le plus haut de gamme qu'ils vendent. Hein. C'est le endgame, on peut pas aller au-delà. Et de combiner ça avec une carte graphique 3090, quoi. Mais pas AMD. Une avec une architecture RTX. Gros Bill ont réglé leurs soucis, là, exact, Turbo. Pour te résumer, je viens de le dire, hein, si tu viens d'arriver, mais... Normalement, je reçois mon PC cette semaine, et Gros Bill m'appelle aujourd'hui pour finaliser la transaction. Donc, c'est ce que je disais, dès que je reçois le PC, ça part en unboxing et on installe la bête comme on avait fait, sauf que là, j'aurais pas à monter le PC, ce sera très bien. J'ai un Ryzen, c'est bon, c'est vraiment bon pour streamer tout. Bon, pas parfait. Moi, ce que je veux, je vous dis, hein, les gars, mais en plus, à terme, je pense que je ferai un setup double PC. C'est juste que ça me fait un peu peur parce que j'ai jamais eu de setup double PC de ma vie, hein, vraiment. Ce serait une première pour ma part, hein. Mais on va voir, hein. J'ai pas trop regardé tes let's play pour pas me spoil, mais du coup, quel est ton avis final sur le jeu? Alors, je trouve que la DA, nickel. Le côté open world, j'aime beaucoup. C'est un open world, c'est comme ça que je veux tous mes open world. Ceci dit, beaucoup trop de boss dupliqués, CTRL-C, CTRL-V. Certains boss qui ont juste une difficulté débile et qui te, en fait, sont des messages en gros avec un point d'exclamation marqué « Essaye la magie !» Sauf que t'as pas envie d'essayer la magie. Je parle des boss duo, bien sûr. Surtout qu'il y en a un obligatoire à la fin, je vais pas te spoiler, mais bon, c'était assez insupportable. La dernière zone, là, dans la neige, un petit peu pourrie, je t'avoue. Et puis les catacombes qui sont vraiment des copier-coller souvent, avec souvent il y a un étage en plus, etc. Je trouve ça un peu chiant. Mais sinon... J'ai bien aimé. La fin du jeu, je trouve que c'est... Après, justement, le boss caca, la duo.
Ah, qu'il y a un boss, mais putain, bah de toute façon, reste pas là, hein, parce que je vais dire le nom des boss, on va faire le NI%, on va regarder le NI% ensemble, là, donc ne reste pas là, hein, si vous voulez vous spoiler, pas vous spoiler, les gars, c'est pas l'endroit sur lequel il faut rester. Hein. Mais ouais, la fin, j'adore, j'adore. Par rapport aux Souls, tu le mettrais où, Elden Ring, c'est le meilleur des Souls? Non, 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 moi je le mettrais... En fait, je trouve que c'est un jeu sur lequel c'est très difficile de revenir en normal playthrough. Genre moi j'aurais plus tendance à refaire par exemple DS3 que de me relancer dans Elden Ring parce que c'est long Elden Ring, hein. C'est vraiment très très long. Du coup je pense que je mettrais, après c'est mon avis personnel, DS2 en premier, c'était mon premier Dark Souls donc c'est un peu normal, DS3 en 2 et ensuite Elden Ring, tu vois. Les défauts d'Elden Ring me font dire que ah, je préfère quand même rejouer à DS2 ou DS3. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que dans beaucoup de gens le mettront en première place et je comprends. Mais la formule open world, je trouve que c'est vraiment très très dur à digérer. Du coup, j'ai plus de facilité à refaire DS2 ou DS3 que de refaire Elden Ring, tu vois. Ah oui, en NI%, il n'y a aucun souci. Là, c'est rapide, mais le faire à... Enfin, de façon... Comme on l'a fait en Let's Play, tu vois, c'est compliqué. Hein. Merci Boulizor pour ton tier 1, bienvenue à toi. Petit bonjour de Hong Kong, les bros. Hong Kong, qu'est-ce que tu branles là-bas, Young Carlos? Et d'ailleurs, c'est pas la merde là-bas en Chine, là? J'ai cru voir qu'il y avait une recrudescence de cas de COVID-19. C'est pas la merde là-bas? J'ai tenté Bloodborne, commencer tout nu et démerde-toi avec ta bite et pas de couteau, quel enfer. Bloodborne, c'est clairement pas le plus simple hein, pour commencer. Hein. Il n'y a pas une version de jeu obligatoire pour les speedruns, mais justement, c'est ce qu'on va tester, Romondor. On va voir tout à l'heure. Hein. Tiens, d'ailleurs, si jamais, lorsque tu auras l'ordinateur, je te conseille de limiter au maximum les processus Windows en tâche de fond et optimiser le NVMe. Alors, faut rembrodir ça, Soutmos, hein, je vais oublier. Hein, je te le dis tout de suite, je vais oublier. Hein. J'ai lâché DS3 au bout de 3 heures. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, après, c'est juste que moi, je connais très bien DS3 maintenant. Du coup, je sais où faut aller. Je rush les boss. Hein. Si je rejoue au jeu, c'est je rush les boss. Là, dans Elden Ring, il faut quand même pas mal farmer pour être plutôt costaud face à certains boss. Hein. Merci à Maury pour ton deuxième mois, il re-signe le contrat, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Apparemment, il y a des problèmes de perf entre Windows 10, 11 et AMD. Oh, bah c'est bon, c'est pas possible, je vais avoir un problème à chaque fois. Je croise les WAD, hein, je croise les WAD, mais bon. Merci Magix pour ton 7e mois d'abonnement. Un peu comme Skyrim, tu refais l'aventure une fois tous les 2 ans environ, à chaque fois 150 heures de jeu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme quand j'ai refait Death Stranding, je le refais une fois par an à peu près, depuis qu'il est sorti. Et c'est comme ça, quoi. Pourquoi tu as toujours ta télé allumée? Ça habille. C'est une encyclopédie jeux vidéo, les gars. Alors, ça va me dire, oh là là, attention, l'énergie, la planète, etc. D'accord, mais bon, j'ai beaucoup moins de trucs allumés que sur certains streamers, je pense. Hein. J'ai pas de double PC. C'est déjà ça, ça compense. Merci, Léa, pour ton deuxième mois, re-signature de contrat. Merci beaucoup, les gars. Et merci, Young Carlos, pour ton tier 1. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu penses quoi des invocations? Les gens sont libres de jouer comme ils veulent, mais... Ah, mais alors, déjà, juste, ta question, elle me casse déjà les couilles, parce que c'est une question qui est revenue à peu près 50 000 fois et qui est dans tous les chats, c'est chiant. Les gens jouent exactement comme ils veulent. Hein. Il n'y a pas de « tu penses quoi ?» On a l'impression que, je sais pas, on parle d'une révolution politique, mais interne aux jeux vidéo. Merde! Oh là 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 là! Tu vas voter... tu en penses quoi d'Éric Zemmour? C'est exactement ça, c'est chiant, les gens jouent comme ils veulent. Tu veux un mode facile ou un mode moins compliqué d'Elden Ring, bah tu joues avec des invoques. Tu veux jouer à l'ancienne, bah tu joues comme je l'ai fait sur le Let's Play, pas d'invoque, pas d'esprit, pas de fiole miraculeuse et pas de cendre de guerre, ou du moins tu évites. En fait le jeu est malléable, il est parfaitement malléable, donc il n'y a pas de tu penses quoi. Ton expérience, elle sera exactement comme tu le désires, si tu fais ce qu'il faut. On a l'impression que parce que j'ai une ancienneté sur les jeux From Software, j'ai un droit de parole, j'ai le droit de juger sur ce que c'est. Mais en fait, bah j'ai pu jouer sans, donc j'ai pas été obligé de le faire, tu vois. C'est un peu con comme question. Tout ça pour relancer une certaine discorde alors que ça sert strictement à rien, quoi. Toujours pas Charlie. Il y a aucune preuve, hein. Il y a aucune preuve, hein, par rapport à la soirée Max Nuke, hein. Non, franchement, les gens qui veulent jouer avec les cendres de guerre, les esprits, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va le faire en NI%. Moi, tu vois, je suis curieux même. Je crois que c'est Tonton non, qui a fait une run... C'est Tonton qui a fait une run magie après sa run normale. Moi, tu vois, je serais tenté d'essayer une run où tu fais full esprit, cendres de guerre, hein, tu vois.
Mais bon, en fait, tâter le speedrun, ça va me permettre de jouer différemment de la façon dont j'ai joué sur mon let's play normal. Donc, on va enfin utiliser la magie, par exemple, en 10%, tu vois. Non, non, mais Grand Bench, mais c'est pas contre toi hein, que je pestais, au contraire. C'est contre la question, en fait. Si j'ai été un peu agressif envers toi... t'es agressive, je vous cache peut-être des choses. C'était pas l'objectif, hein. C'est vraiment la question qui m'énerve, c'est pas toi, hein, au contraire. Il va vraiment apprendre la route du NI% actuel avec l'enrap et tout. Ouais. Ouais, Blatoyance. Bah après, je vous le dis tout de suite, je trouve que la run NI%, elle est pas passionnante, encore aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle sera encore plus spectacle si les gens trouvent des major glitches encore plus impressionnants, notamment le téléport, le TP que je vous disais tout à l'heure, la technique de TP. Là, en fait, les 10%, ça va me servir d'étrier. Je vais mettre le pied dans le speedrun de Elden Ring en me disant, allez, je le prends comme un petit entraînement pour la run All Remembrances. Hein. Pour vous réexpliquer, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la run les 10% qu'on fait, de toute façon, vous avez toutes les infos en tapant point d'exclamation run. Hein, je l'ai mis dans le titre, les gars, faites un effort au bout d'un moment. La run qu'on fait, c'est du NI% long warp, pardon, c'est difficile à dire. Donc on finit le jeu le plus vite possible et on fait ce qu'on veut pour y arriver. On peut faire des glitches. Là, en l'occurrence, on va faire des long warp. Donc on va se téléporter à des endroits où on n'est pas censé se téléporter normalement, tu vois. Et mon objectif, après avoir réussi à faire un record plutôt potable où je me dis « Ah, je suis content d'avoir fait ça. » Même en dessous d'une heure, pour moi, c'est parfait. Je suis trop content. Si je fais un sub une heure, c'est très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien après, on fera la All Remembrances, donc tous les souvenirs. Celle-ci qui est vraiment très très cool. D'ailleurs, je regarde en ce moment, si vous voulez mater du speedrun All Remembrances, je vous invite à mater un speedrunner qui est suédois, qui stream en anglais, qui s'appelle Elias. Ça s'écrit E-L-A-J-J-A-Z. Elias, voilà. Allez checker, il fait ça en ce moment. Et le All Remembrances, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tuer... le speedrun est considéré comme terminé quand vous avez fini le jeu, mais auparavant, il faut avoir tué tous les boss qui vous donnent des souvenirs. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme le speedrun sur Sekiro, qui s'appelait All Remembrances, c'est pareil. Ouais, j'ai vu hier sa run, grave propre, le 2h05. Magnifique, magnifique. Ouais, le NI% n'est pas plus sexy, mais c'est déjà un sacré challenge d'avoir un bon temps. J'ai la chef, en tout cas, perso, je sais déjà que je vais kiffer. Merci beaucoup, Blatt. Ouais, moi je suis curieux, je vous ai dit, hein, j'ai déjà tenté, bah même avec vous, j'avais déjà tenté de speedrunner Demon's Souls PS5, le remake. Hein. On n'a pas réussi à faire une seule run. En fait, ce qui était chiant et ce qui est horrible sur PS5, c'est que tu peux pas practice. Tu peux pas avoir de save. Y a des managers de save, des petits logiciels sur PC. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte en fait d'avoir mon nouveau PC, c'est pouvoir faire le speedrun NI% si j'ai pas un temps d'ici là. Ou si ça marche pas sur PS5. Parce qu'en fait, t'as des outils sur PC qui te permettent de te téléporter à une save où tu peux practice un segment de la run, un boss, etc. etc. Et ça, c'est parfait, c'est parfait. Sur console, on n'a pas ça. Sauf si tu hack ta console, etc. Et encore, en tout cas sur PS5, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment pour rigoler, la NI%. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire un temps avant d'avoir mon nouveau PC et de faire la run sur PC. Mais bon. Oh, c'est la première aussi. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre. Elden Ring Speedrun. Je vais mettre numéro 1 dans le titre. Comme ça, on a bon. Tu as un temps en tête. Mon objectif, c'est de faire moins d'une heure. En NI%, je parle. Hein. Je pense que c'est faisable, sachant qu'il y a eu des nouvelles stratégies qui ont été trouvées. J'ai pas encore vu la run à 27 minutes. On va la regarder. Je vous explique le programme du stream aussi. On regarde d'abord la run de Disto qu'il a posté, où il fait 28 minutes. C'est son record. Ensuite, on va peut-être prendre des notes en même temps. Hein. Ah oui, on skip des boss. Le NI%, les gars, je répète, c'est finir le jeu de n'importe quelle manière. Donc oui, on va skip des boss. Hein. C'est l'objectif. Merci Miaos pour ton tier 1. Par exemple, on fait pas les deux nobles sanctes chers. Donc le boss duo de merde à la fin du jeu. On fait pas ça. On skip direct à... comment il s'appelait? Le clair bestial, c'est ça? Celui qui nous avait fait un peu chier. Il y a pas mal de boss qu'on va pas voir. On voit pas Margit, on voit pas Godric, je crois.
Si le duo il y est, je crois pas les mecs, hein. De toute façon, on va voir ça sur la run tout à l'heure. On va regarder la run ensemble. De souvenir, je crois qu'il avait trouvé un moyen de disto. J'ai cru l'entendre à l'oral dire... Ah non, ou alors c'était avec justement le glitch du TP. Vous avez raison. Justement, je vais vous montrer, il y a un glitch qui n'est pas vraiment régu. J'en ai parlé tout à l'heure. En gros, il y a moyen de se TP en allant dans une direction et c'est assez impressionnant. Sauf que du coup, c'est avec ce glitch-là qu'il y aurait moyen du coup de... de skip les deux nobles sanctes chers. Mais bon, on va voir. Ok, ok, Argonaut. Ouais, my bad. Je pensais que... Ouais, ça, c'est pas consistant du tout, le glitch. Clergy Malikette, un bordel. Bah, Carmec, on avait bien compris ses patterns, hein, la dernière fois. En fait, j'avais galéré pendant une heure et demie. J'avais coupé le stream parce que je pouvais pas continuer. Et le lendemain... On a retry direct, je l'ai fait first try le boss. En fait, même en analysant et en re-regardant des gens jouer au jeu, je comprends beaucoup mieux les patterns de certains boss, tu vois. Genre même les deux boss de fin là, l'Elden Beast et Radagon, ils sont quand même... J'arrive à mieux les capter, tu vois. Ah ouais, vous allez vous... Je le dis tout de suite et je répète, hein. Si vous n'avez pas fini le jeu, que vous voulez pas vous faire spoiler... Barrez-vous d'ici, c'est du speedrun, hein, c'est du speedrun les gars. En quoi consiste une run 100%? Bon, je répète une ultime fois, il va falloir qu'on fasse, il va falloir que je fasse des, une commande avec le vocabulaire. Une run 100%, c'est finir le jeu coûte que coûte avec tous les outils que le jeu t'offre, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu termines le jeu le plus vite possible. Donc tu peux faire des glitches, tu peux te téléporter et faire bugger le jeu, tu peux softlock le jeu... tu fais plein de choses. Tu fais ce que tu veux, en fait, pour arriver à tes fins, à ta fin, c'est-à-dire à la fin du jeu. Voilà. Ensuite, t'as des runs All Remembrances sur Elden Ring, où il faut tuer tous les boss qui te donnent des souvenirs. Le souvenir, c'est un truc qu'un boss te donne à la fin quand tu le tues, qui te permet de débloquer soit un sort, soit une pièce d'équipement, une arme, tu vois. Ça, c'est la run All Remembrances. Donc ta run, elle est validée uniquement si t'as tué tous les boss qui te donnent un souvenir. C'est ça. Après, t'as des All Boss, où il faut tuer absolument tous les boss. Je crois pas que quelqu'un a déjà testé. Je pense qu'il y a déjà des gens qui font le routing sur cette run-là, mais je pense pas que quelqu'un a déjà testé. Mais pars du principe qu'une run à 10%, c'est finir le jeu le plus vite possible, comme tu veux. Glitch ou pas, comme tu veux. Ok, je vois, c'est une catégorie la plus simple en termes de speedrun, finir au plus vite. Alors, simple dans le concept, mais pas forcément dans la pratique, hein. Des fois, t'as des setups qui sont super compliqués à avoir, des glitches qui sont durs à lancer. Donc c'est pas le plus simple dans la pratique, mais dans le concept, oui, c'est aller le plus vite possible. Tous les boss ou boss majeur? Bon, alors là, les mecs, par contre, je viens de le dire, va pas falloir me bronzer les couilles avec ça. Hein. Je vous donne une info, vous la prenez et vous la gardez dans la tête au bout d'un moment. All Remembrances, c'est la run où tu tues tous les boss qui te donnent des souvenirs, je viens de le dire. All Boss, c'est tous les boss. All Major Boss, c'est tous les boss majeurs. Voilà, c'est dans le titre, en fait. Tout est expliqué. Hein, vous voulez que je le redise une fois pour être sûr ou c'est bon? Et vous pouvez vous asseoir en mode « Ah, j'ai compris. Hein » Voilà, Nanolif, les LED. Exactement. Et 10%, bon, une dernière fois, pour être sûr. Et 10%, finir le jeu plus vite possible, comme on veut, glitch ou pas. All Bosses, tous les boss. All Remembrances, tous les boss qui te donnent des souvenirs. All Major Boss, tous les boss obligatoires. Vous avez compris? C'est bon? Je retomberai pas dans votre petit jeu, les gars. Oh, attendez, je vous ai remercié ou pas, les gars, là? Je sais pas. Amaury, Boulizor, Sephiroth, je vous ai remercié tout à l'heure. Je sais même pas. Terraria, bah ce week-end, hein, Max Nuke. Hein. Terraria, comme je vous ai dit, un épisode toutes les semaines. Si j'ai mon ordinateur cette semaine, dès dimanche, c'était à rien. Épisode 1. Épisode 1. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ah, le All Achievements, ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très long. Bon alors. Voyons voir. Vous êtes cons, hein. Je tiens à le souligner quand même. Hein. Ah là, on a la commu qu'on mérite, hein, qu'il disait. Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que les gars, vous pensez que Domingo va parler du faux rewind de Twitch demain dans Popcorn? Pensez qu'ils vont en parler? Merci Léo Drac, hein, pour ton quatrième mois d'abonnement, c'est très gentil.
J'espère. J'espère qu'il osera en parler. Étoile m'a envoyé un message. Il m'a dit, espèce de sale enculé, ça m'a fait rigoler. Je suis content, tu vois. Ouais, j'ai vu Darky. Très très hâte, Dead Space. Très très hâte. Merci Fallen Rekt pour tes 5 euros. C'est quoi les 10%? J'ai pas bien compris, voilà. Et en plus, il met un kappa. Merci pour les 5 balles. C'est tout ce que je vais te dire. Il y a du faux rewind. Le faux rewind de Twitch, le rewind Kakabox, qui je rappelle, a été monté par Pota et une petite partie par Madro, je crois. Moi, j'ai fait la voix off. Et ça a été écrit aussi par Pota. Moi, j'ai fait 2-3 vannes aussi que j'ai rajoutées au script, mais c'est Pota qui l'a écrit en grande partie. Allez sur la chaîne YouTube Kakabox, ou alors sur le Twitter de la Kakabox. C'est que sur le Twitter de la Kakabox, on n'a pas pu tout mettre parce que Twitter limite la durée des vidéos, en fait, sur Twitter. Ça continue ou c'était du one shot le rewind? On en fera peut-être un plus tard, mais c'est pas toutes les semaines. Hein. Ah non, ouais, pote. On n'a pas les équipes de PA. Hein. Domingo, il peut se permettre. Nous, non. Hein. C'est Pota qui a tout fait avec Madrose. Hein. Donc peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Enfin, pas toutes les semaines. Alors, jeu. Capture de fenêtre. Elden Ring. On va faire ça. Je vous crop la run. Comme ça, on verra tout comme il faut. Le seul truc que je sais pas trop, c'est... Qu'est-ce que je fais avec mes notes, là? Qu'est-ce que je fais avec mes notes? Qu'est-ce que je marque? Je pense que je vais sortir un bloc-notes. Et pour le prochain stream, je mettrai toutes les notes au propre. Comme ça, je mettrai une commande sur le chat où vous pourrez avoir le Google Doc avec les étapes de la run. Hein. Alors, attendez. Ça, c'est bon. On va prendre des notes. Alors, je coupe cette musique. Et c'est parti. On part en React, les gars. Mais c'est du React, il faut prendre des notes. Hein. S'il y a des choses que vous remarquez et que je remarque pas, n'hésitez pas à le dire. Hein. Du coup, je vous rappelle. La run qu'on regarde, là, c'est la run de Distorsion. Il a posté ça le 14 mars. C'est une Any%. Et sa run est finie en 28 minutes et 59 secondes. Hein. C'est costaud. Hein. C'est très très costaud. Alors, attends. Alors déjà, je voulais savoir ce que... Là, il a validé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il prend? Il prend Samouraï. Classe Samouraï. Ça, c'est bien, parce que du coup, c'est la classe que j'ai jouée. Et Fanged Imp Ashes en leg. Alors, il va falloir qu'on regarde ce que c'est ça. Fanged Imp Ashes. Alors là, la traduction m'échappe. Ça veut dire quoi, ça, les gars, en français? Dans l'ordre, lieu où aller, arme, équipement, récupérer, équipement. Du coup, là, c'est toi qui joues. Bon, Pépito. T'as le macaron des subs. Tu prends pour tout le monde. Hein. Allez, 10 minutes. C'est parti. J'ai essayé le skip de Godfrey. Il est vraiment galère, je trouve. Attends, Godfrey? Le skip de Godfrey? Oh, les numériques! Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, ça, c'est un coup de la MUA. J'espère que ça va. Hein. C'était peut-être pas la MUA, hein, au cas où. Merci beaucoup pour le raid, les numériques, c'est gentil. Je suppose que c'est l'âme. Hein. J'espère que tu vas très très bien. Merci beaucoup, l'âme, c'est très gentil. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu un petit peu. Tu sais que tu manques, hein, quand même. Regarder les conférences avec toi, c'était cool. Du coup, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Que je prévienne un petit peu les gens qui viennent d'arriver, du coup, on va essayer de faire le speedrun Any%, donc finir Elden Ring le plus rapidement possible, aujourd'hui. Hein. On regarde une run d'abord, là je suis en full react, on regarde une run et on prend des notes. Et après ça, on se lancera dans l'aventure. Hein. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la traduction officielle du jeu de Fanged Imp Ashes? Vu que moi j'ai pas fait le jeu en anglais, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est les invoques des petits lutins qui te mettent du Bloodlust dans les catacombes. Ah, bon. Je vais marquer entre parenthèses sur ma note, petit lutin. Ok, c'est noté. Cendre des diablotins.
Ah, bah voilà, parfait. Voilà, on a l'info. Merci, les gars. Cendre des diablotins. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on aura fait les notes au propre, donc pas pendant ce stream, hein, à la fin du stream, je pense que ce soir, je mettrai les notes au propre sur un Google Doc. Je ferai une commande sur le chat, comme ça, la prochaine fois, si vous avez une question, vous voulez avoir la feuille de route, vous l'aurez. Hein, vous l'aurez. Hein. Mais j'ai la chef, la commis speedrun est déjà dingue sur ce jeu. Et grave l'âme. Moi, je te dis, hein, moi, je fais le NI%, là, je m'entraîne dessus. Une fois que j'aurai un sub 1 heure, donc en dessous d'une heure, j'attaque la All Remembrance, ça va être trop stylé. Merci beaucoup encore, hein, Lame, hein, j'espère que tu vas bien, de là où tu es. Ok, ça c'est bon, on a les infos en tout cas pour la classe de début. Bon, alors il va parler, je vais peut-être en fait laisser de la musique, hein, parce qu'il va parler un peu pendant le truc. Il dit pas des choses forcément intéressantes, hein, il tryhard. Alors je crois que la strat du début, c'est tout simplement de courir et mourir dans le vide devant le boss tuto. Ah ! Mais c'est pas possible, il est de retour ! Le producteur officiel de la chaîne ! Enfin, l'un des producteurs officiels ! Boothworth ! Mais c'est pas vrai, hein ! Il va me faire ça toutes les semaines ! Il remet les couverts à chaque semaine, hein ! Merci beaucoup, et il a déjà plus de 200 subs offerts sur la chaîne, c'est complètement starbé, hein ! Merci pour eux, merci pour eux ! Merci beaucoup, Bossoir, pour tes 25 subs offerts, c'est très très gentil. Je vous invite encore une fois à le remercier si vous avez reçu un petit cadeau. Hein, vous faites ce qu'il faut. Hein. Encore merci, Bossoir, je t'ai dit producteur officiel, hein. C'est comme ça. Merci beaucoup, mec, hein, c'est très gentil. Allez, c'est parti. Ah, attendez, j'ai pas... Oui, ça aussi, c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse. Alors vous me dites si je dis une bêtise, mais je crois que c'est pour ça qu'il le fait. Souvent quand dans le speedrun, on ouvre des portes. Vous voyez, il y a une animation qui est longue. Du coup les speedrunners, ce qu'ils font, c'est que ils quittent et sauvegardent le jeu, ils reloadent leur save. Comme ça la porte est déjà ouverte quand on revient. Vous dites, mais ça sert strictement à rien. Si, en fait, parce que du coup ce qui compte dans le speedrun, c'est le temps in-game, donc le temps dans le jeu. Quand t'es dans les menus, bah forcément, le temps in-game, il est coupé. Vous allez voir de façon... Enfin là, vous allez pas le voir, je vous montre juste en coupant les alertes, mais vous voyez. Lui, il joue sur PC, hein. C'est pour ça que ça fait ça. Donc son live split, il se coupe, il se met en pause dès qu'il est dans les menus. Et vu qu'il a quitté juste au moment où il a ouvert la porte, il revient dans le jeu. Le chrono va reprendre, vous allez voir, dès qu'il est dans le jeu. Voilà. Et la porte est ouverte. Donc en fait, c'est juste pour gagner quelques secondes. C'est de l'ordre de 3-4 secondes, mais ça marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein de DS1. Qu'est-ce que je veux dire ? Merci Spardante pour ton deuxième mode d'abonnement, re-signature. Merci beaucoup, c'est très gentil, mec. Merci beaucoup. Les gens qui sachent comment ça fonctionne le timer. Alors... c'est bien au final vos questions parce que ça permet de me rendre compte qu'il faut que je fasse plein de commandes pour le chat. C'est très simple, c'est un logiciel qui s'appelle LiveSplit qui est gratuit. Et en gros, sur certains, quand tu télécharges ce logiciel, tu mets le jeu que tu runs et tu as déjà une base de données en fait sur le logiciel. Et le logiciel va te proposer, tiens, est-ce que tu veux installer le mode pour cette run-là qui met en pause ton timer dès que tu es dans les menus. Donc des fois, c'est automatique. T'as même des auto-splitters qui splittent tout seul. Hein. Mais c'est live split logiciel. Alors, première étape. Donc, c'est courir et mourir dans le vide devant le boss tuto. Mais alors, il faut trigger, il faut aller assez loin en marchant. Ok, il retire. Ça, je vais le marquer. Retire équipement. Je suppose que c'est pour courir un peu plus vite. Retire équipement avant de tomber. Donc là, il va aller jusqu'à l'endroit où il trigger le boss. Donc c'est juste derrière l'arbre. Saut juste derrière l'arbre. Je vais le noter entre parenthèses. Saut juste derrière l'arbre à gauche. Ok. On est à un repère quand même. Donc là, le boss a été summon. Hein. Il a trigger l'arrivée du boss. Et il meurt parce que, bah, vous le savez, hein, au début du jeu, dès qu'on meurt, on est TP dans le début du jeu. Ok, donc ensuite. Alors, faut vraiment, si vous avez remarqué des trucs que j'ai pas vu, les gars aussi, genre, est-ce qu'il équipe des trucs, machin. Donc là, il refait un door skip.
Parce que souvent, le menuing, ça va super rapidement hein, dans ce genre de truc. Hein. Donc, Doorskip, il prend pas ça, je suppose. Non, il prend pas. Courir jusqu'à l'extérieur. Il fait pas de menuing dans le... Qui fait pas de menuing dans l'ascenseur, il en a pas besoin. Je marquais courir jusqu'à l'ascenseur. Oh là, il s'est passé des trucs. Donc il court jusqu'à l'ascenseur. On équipe l'arc. Il en aura peut-être besoin ensuite, je sais pas, on verra. Auquel cas je supprimerai. Et du coup, là il fait pas de Doorskip, ça sert à rien. Mais il fait du menuing. Ok, il un-équipe. Ok, donc c'est peut-être pour des équipes. Pendant. Ouverture, porte, objet. Ok, ça c'est noté. Et là il se refait ses raccourcis. Ok, courir. Donc là je suppose qu'il court vers le... Il va courir jusqu'au feu où il nous donne temps. Courir jusqu'au feu. Devant le château. Je vais marquer entre parenthèses. Obtient. Obtenir. Désolé hein, les gars, c'est fastidieux, mais ça va être comme ça. Au moins on aura des notes claires et précises. Obtenir torrent. Et même pour vous, si vous voulez suivre plus tard ou tenter le speedrun, c'est aussi utile. Je la laisserai, en fait, les notes que je prends, je les laisserai, vous pourrez vous en servir si vous voulez faire le speedrun chez vous. Courir jusqu'au feu devant le château, obtenir torrent. Pendant le trajet, du coup, équipe, flasque, magie et soin. Ok, ça c'est bon. Merci Vinto pour ton prime. Et voilà, alors c'est ce que je vous disais en fait dans la run. Pour l'instant, elle est un petit peu chiante. Parce que justement, il y a beaucoup de moments dans la run où c'est juste un mec qui court à pied ou à cheval. Hein. Genre, je crois que pendant 9 minutes, c'est quasiment que ça. Dans une de ses runs, il explique que être à poil me permet de mieux voir les payés du perso et mieux gérer mes placements pour certains glitchs. Ok, donc c'est optionnel en fait, Skola. Bah tu fais bien de le dire au final. Merci. Merci pour ça du coup, parce que j'ai pas regardé tous les streams de Disto, donc je suis pas au courant. Merci beaucoup pour l'info. Alors attendez, j'ai pas regardé par où il passe au niveau du trajet. Ok, donc il passe. Passer à droite de la sentinelle. Direction le site de grâce. Et ensuite, c'est du tout droit, je suppose. On va voir. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il fait vraiment du tout droit. Bon là il a pris les fruits, j'espère que ça sert à rien, hein, parce que je vais pas le noter ça. Ça m'étonnerait que ça serve à quelque chose, mais je crois que dans la run il se sert pas du crafting, donc je crois qu'il a pris juste pour rigoler là. Ah c'est de l'humour. Passer à droite de la sentinelle, direction le site de grâce, je vais mettre plein nord. T'as raison de le dire, Tom. Enfin, vous êtes plusieurs à le dire, mais vous avez raison. Ça apporte une petite indication en plus. Pendant le trajet, équipé flasque, magie et soin. Ok. Ensuite, site de grâce. Récupérer torrent. Parce que c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut faire un gauche et dire oui? Ah, j'ai l'impression que tu peux... Ok, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où est-ce qu'il l'équipe. Ok. Alors, site de grâce, récupérer torrent. Ensuite, équiper torrent en raccourci. Donc après, c'est, je pense que c'est comme chacun veut. Hein. Et là, il va aller à droite. Il va remonter tout le chemin. Je pense qu'il va récupérer la graine dorée.
Récupérer graines dorées sur le chemin. Vers le château. Voilà, il l'a récupéré. Le premier boss qui tabasse dans la run, je t'avoue que je sais plus. Bah, je crois que c'est après, c'est ça là. C'est, ça doit être le gold skin noble. En fait, le gold skin, c'est noble sanctuaire, gold skin noble. Et je crois qu'il fait un wrong warp. Putain, c'est trop dur à dire. Je vais dire un WW, ce hein, sera plus simple. Un warp même, c'est plus simple. C'est le God Skin Noble. Et c'est. En gros, il y a un glitch. En fait, tu passes à travers la porte du boss selon, avec une certaine façon. Qui fait que quand tu rentres dans la salle, le boss ne bouge pas. Donc en fait, tu le butes super vite, quoi. Et donc il prend ce site de grâce. Pourquoi? Alors, c'est peut-être pour un setup plus tard. Équiper les graines dorées sur le chemin vers le château. Activer. Site de grâce. C'est pour un bon rap futur. Ok, parfait. C'est bien ce que je me disais. C'est bien au final que vous soyez là parce qu'il y a des trucs aussi. J'étais pas là quand ils practissaient. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les dire, les gars. Donc là, on va regarder ce qu'il fait. Salut, Jean Valdé. Merci pour ton 4e mois d'abonnement. C'est gentil. Donc il va prendre plein or. Et là, il va passer à droite pour justement éviter Margit et Godric. Et là, je crois qu'il fait un saut, si je dis pas de bêtises. Ce saut-là, il va falloir qu'on practice parce qu'il a pas l'air tout à fait simple. Je vais marquer. Prendre la direction nord-ouest. Et là, il va faire un saut. Ok, donc il longe vraiment le mur. Prend la direction nord-nord-ouest. Vers la, vers le vide. Double saut sur corniche. Ok, donc ça, il faudra qu'on essaye. Je pense que c'est un peu chiant à faire, ça. Ouais, il faut vraiment sauter au dernier moment, ouais. J'ai l'impression. Bah, je vous dis, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, je pense que cette run-là, la run à 10%, c'est pas la plus intéressante. En tout cas, pas pour l'instant. Parce qu'elle est pas incroyable à mater. Surtout pendant la moitié. Moi, je vous dis, je la fais uniquement pour m'entraîner, en fait, un petit peu. Me mettre le pied dans les talons du speedrun sur Elden Ring. Pour la All Remembrance, qui m'intéresse carrément beaucoup plus, quoi. Oula. Donc alors, Kepasta, pourquoi ça m'a fait ça? J'ai pas tout compris là. Donc là il continue à courir. Donc c'est juste après les loups. Je crois qu'il va faire un enchaînement de sauts sans mourir. Ok. Alors. Avancer jusqu'à meute de loups. Puis... sauter sur roche. Du coup, il saute entre les deux. La petite corniche. Et là, double saut, il meurt pas. Ok. Bon, ça, ce sera practice. Je vais mettre le timecode. Pour ça, pour que je m'en rappelle. 5:40. Hop, comme ça, on regardera tout à l'heure quand on y arrivera pour s'entraîner. Ça, je pense que c'est le truc, si tu le fais mal, tu peux canner en un instant et c'est compliqué. Donc là, il n'a toujours pas fait le premier split. Hein. Alors, attendez, hop, direction nord. Direction nord, activer site de grâce. Ok, donc ça, c'est bon. Et là, ok, là, il vient de faire un wrong warp. Donc, en fait, les étapes du wrong warp, on va dire warp, encore une fois, c'est très simple. Je vais mettre au ralenti pour que vous voyez. En gros, en raccourci, c'est parfait, j'ai arrêté pile à la bonne frame. Regardez. En raccourci, ici, il y a l'objet qui nous permet de perdre toutes les runes qu'on a dans notre besace.
et de nous re-téléporter au dernier site de grâce utilisé. Je crois que c'est ça. Hein. Vous dites si je dis une bêtise. Vu que j'ai jamais utilisé l'item, je crois que c'est ça le souvenir. Donc, il utilise l'item. Dès que l'item a été utilisé, il fonce sur sa map. Voilà. Il se TP, du coup, là, à Stormhill Shack. Donc, à un site de grâce. Avant que, du coup, le jeu l'ait re-TP au dernier site de grâce. Du coup, le jeu comprend pas. Il TP ailleurs. Sauf qu'il le TP dans le vide, tu vas voir. Il TP dans le vide. Du coup, à ce moment-là, tu fais un save and quit. Tu reload la save. Et voilà. Et là, du coup, tu TP à un endroit totalement différent. Donc, c'est pas compliqué. C'est impressionnant la première fois que tu le vois parce que ça va vite. Mais faut le réussir. Non, j'ai pas fait de testing game. Je vous l'ai déjà dit, les gars. Pour l'instant, je regarde le speedrun. Hein. Là, c'est marqué dans le titre. Au bout d'un moment, faut faire un effort, hein, les gars. Alors... Du coup. Direction nord, activer le site de grâce. Donc ça, c'est bon. Ensuite, wrong warp. Est-ce que vous avez le nom? Ça, je vous avoue que j'ai totalement oublié. Vous savez comment il s'appelle, cet objet-là? Je l'ai pas. Merci, Itric, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci pour ta re-signature, c'est gentil. Je veux bien le nom de l'objet, vu que je m'en suis jamais servi, les gars. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ouais, sinon, je l'appelle autrement. Mais si vous avez l'objet... C'est pour les notes. C'est pour que ce soit propre. C'est pour que ce soit un peu plus propre. Je ne me rappelle plus du nom de l'objet. Sinon, pour l'instant, je mets... Utiliser objet TP. Voilà, ce sera plus simple. Ouais, hausse du retour, je serais tenté de dire ça, mais bon, c'est pas ça. Merci Galim pour ton 8e mois d'abonnement, c'est très très gentil. Bon, pour l'instant, je mets ça, on corrigera plus tard. Utiliser objet TP. Ouvrir map. Et du coup, je crois qu'il fait une pression sur la touche triangle pour pouvoir avoir la liste des sites de grâce, que ce soit plus rapide. On va mettre au ralenti. Hop. Donc, il utilise l'objet. Ouvrir map. Ensuite, ouvrir map, into, il nous fait un petit L1, ouais, un petit L1. Un petit L1, TP, Stormhill, Shack. Faites-moi bien penser, les gars, tout à l'heure, que je change le nom des TP, parce que nous, on a le jeu en français, hein. Ok. Une fois que ça c'est fait, si le wrong warp a réussi, save and quit à la fin du loading. Et puis c'est bon. Du coup, on est TP au bon endroit ensuite. Je vais mettre L1 bas. TP Stormhill Shack. Voilà, parfait. Je peux pas te mettre en anglais, ouais, mais après, une fois qu'on l'aura fait en français, c'est tout simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il va au 4 Beffroi, si je dis pas de bêtises. Ok, direction nord, il y a un TP. Direction nord, prendre le téléporteur. Ok, là on a fait 5 minutes 36. Je pense que ce que je vais faire, les gars, après, c'est que je vais lancer le jeu pour m'entraîner sur ce premier split là. Du coup, ça l'amène à Lurnia. À Lurnia. Prendre site de grâce. Je pense que ça sert aussi pour un warp plus tard, ça. Ouais, ça change pas grand chose, je pense, Darky, hein, la langue. Hein. Une fois qu'il a fait ça. Ok, il saute. Sauter. Avec monture. Vers. Sud-ouest.
puis direction ouest. Je vais mettre west left. Comme ça, je sais que c'est un tout petit peu à gauche de west. Merci beaucoup, Unknown, pour ton deuxième mois d'abonnement. Ça re-signe les contrats, là, les gars. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les mecs. Déjà, s'entraîner, je pense, sur ce premier split. Bon, c'est pas le split le plus intéressant. Je me gratte le cul, les gars. J'espère que ça vous gêne pas. Je pense pas que ce soit le split le plus intéressant, mais une fois qu'on l'a, je pense qu'on est content parce que c'est pas le plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver dans le coffre? Je crois que c'est l'arme. Prendre coffre dans les ruines. Et du coup, ça nous donne la hache. Et ensuite, là, il se dirige nord. Puis, direction nord. Hop. C'est bien qu'on ait les directions quand même dans le jeu. Ah merde, la cam. C'est que je rechargeais mon iPhone tout à l'heure, du coup. Je la rebranche. C'est quand même pas pratique, ce truc-là. Voilà. Tac. Faut que je refasse le focus, non? Hop. Voilà. Je crois qu'on est bon. Parfait. Alors, direction nord. J'espère que le warp marche sur PS5. Hein. Ah oui, il va prendre direction nord. Récupérer la clé de l'académie derrière Dragon. Voilà. Ça, vu qu'on l'a fait dans Let's Play, je sais. Et ensuite, où il va? Direction nord-ouest. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Belfry. Ah bah là, il va au 4 Beffroi, je crois. Non, je pense pas qu'on doive passer par l'académie en plus. Ou alors peut-être qu'il y va. Si, ah si, 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 il y a un moment où il y va. Alors, attendez, je regarde juste où il va. Pour voir un petit peu la route. Je crois que c'est sur la gauche, hein, les 4 Beffroi après. Il va prendre le site de grâce au 4 Beffroi et ce sera tout bon. Ouais, voilà, ça va. Alors du coup, je regarde les directions parce que j'ai pas noté. Donc, direction nord-ouest vers la montée. Dans la montée, suivre le chemin vers les 4 Beffroi. Alors que je regarde quel truc il va faire aux 4 Beffroi et normalement c'est bon. Et là, se dire qu'il a quasiment fait un tiers de la run, c'est ouf quand même. Après, le plus dur, c'est le reste. Hein. C'est les boss. Hein. Donc du coup, il va monter tout au long, prendre le site de grâce, je suppose. Ah non, il ouvre le coffre. Ok, ouvrir coffre. Au plus haut, Beffroi. Pour clé lame. C'est une clé lame infusée, non? Dans la traduction française, je crois. Activer site de grâce. Direction Beffroi le plus bas et utiliser téléporteur. Ok, et là c'est la fin du premier split. Ça marche. Donc, je vais faire une séparation.
Ok, donc là on a le premier split, les gars. Bon, après les splits, je donne des noms en général une fois que j'ai fait le speedrun. Clé de lame imprégnée. C'est imprégné, ok. C'est un peu pourri comme nom quand même. Hein. Clé de lame imprégnée. Ok. Bon, est-ce qu'on testerait pas le wrong warp pour voir ce que ça donne, hein? On va essayer. Je vais allumer la console et on va tâter. On va voir. Hein. Je suis curieux de voir ce que ça donne en vrai. En fait, je me sens obligé de tester maintenant parce que faut qu'on voit en fait si ça marche bien sur. Faut qu'on voit bien si ça marche sur PS5. Hein. Imaginez, ça marche pas sur console, les mecs. Comment on fait? Hein? Comment on fait si ça marche pas? Ça me ferait chier, hein, je vous cache pas. Parce que ça voudrait dire qu'on serait obligé d'attendre que j'ai mon PC. J'ai pas envie, hein. J'ai envie de commencer à m'entraîner. Hein. Alors, capture de fenêtre. El gato. Parfait, c'est ça que je voulais. Hop. Hop. Bouge-toi un coup, là. Ah, ta gueule! Et ça a l'air d'être un bon jeu de merde, les gars. J'ai testé la démo. Ça pue, hein. Autant vous le dire, ça pue la pisse. Ok, c'est parti. Ça a l'air d'être vraiment le jeu pour Edgelord comme pas possible. J'ai testé parce que j'étais curieux, c'est les mêmes développeurs que Nioh, mais bon. C'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Alors. Vous voyez, en fait, moi, ce qui me permet de me dire si ça se trouve, les glitches marchent sur PS5, je vais vous donner la raison. La raison, elle est simple, c'est que je suis en version d'application 1.02.2 et Disto, lui, il est en 1.02.3. Ils ont un patch sur PC que nous, on n'a pas, apparemment. Il a dit que c'était possible de reproduire la run sur console. Bon, bah, Phoebe, tu me rassures. Alors, Samoussa... Oui, on s'en fout. Âge... Jeune, samouraï, et du coup, ce qu'on avait dit, c'est centre de Diablantin, Dentu. Il nous faut un modèle de base, par contre. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose pour nos speedruns, là. Bah écoute, Axel, on commence, hein. On va voir, hein. Voilà, pas mal. Ah, parfait ça. Et des cheveux peut-être. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un ou pas là? Je me rends pas compte. Ah, ça aurait pu être un Giga Chad, mais il est horrible. Écoutez, on va le mettre comme ça. Hop, sauvegarder favori. Et c'est parti. Bon, du coup, il faut que je capte le trigger du boss aussi. Parce que si je saute dans le vide et que j'ai pas le trigger du boss tuto, comment vous dire que c'est un peu chiant, quoi. Ah, il faut que j'ai un WAD, ok. Donc faut prendre ça. Ça, je l'ai pas marqué, ça, dis donc. Je vais le marquer. Marquer, prendre doigt. Et ouvrir porte. Et là, j'ai pas fait le door skip. Il faut que je le note aussi. Door skip.
Parce que du coup, le menuing du c'est start. Start haut, croix. L1. Croix. Gauche, croix. Je vais essayer de le faire vite pour m'entraîner. Parce que ça va nous servir aussi pour le warp. Hein. Tu dois sauter dès que tu vois ton stuff affiché sur l'écran en bas à gauche. Tu nous parles de quoi Ah, presque. C'est pas très rapide, mais je pense que c'est suffisant. Allez, c'est parti, on va tenter. Alors du coup, courir et mourir dans le vide devant le boss tuto, saut à faire juste derrière l'arbre à gauche. Je vais attendre d'être tout droit. Voilà. Donc le faire après le tuto. Donc il fait ça. Il fait ça, je crois. C'est bon. On a la barre de vie du boss, c'est validé. Pas très compliqué. Live Split existe sur Play? Ah non, non, non. Si tu veux utiliser Live Split en jouant à un jeu qui est console, faut que tu fasses tous tes splits manuellement, du coup. Donc là, j'ai fait le door skip. On va voir si ça marche. Hein. J'ai jamais testé un door skip en vrai. Ça marche. Ok. Ça active les deux ou pas? Non, ok. Il faudrait que je fasse ça. Il y a possibilité d'activer sur changer affichage. Non. Oh là là les gars, attendez, ce serait pas Gros Bill qui m'appelle? Oh, attendez. Ah oh, si c'est Gros Bill qui m'appelle.
Ah, c'est bon les gars, c'est bon, c'est bon. Les gars, en plus si ça se trouve, on va l'avoir plus vite que prévu l'ordinateur. On va l'avoir plus vite que prévu. Bon, je suis désolé, hein. C'est Gros Bill qui m'a appelé. Du coup, c'est bon. Et en plus, c'est Bonnard. Réduction, les mecs. J'étais censé rajouter des sous. Ils m'ont fait un geste commercial. Du coup, je paye 150 euros au lieu de... sur ce qui manquait. Hein, au lieu de 450 balles. Donc bon, ça va. Ils ont compris. Ça fait plaisir. Juste rappelez-moi que d'ici 15 minutes, il faut que je check Gros Bill pour que je puisse payer le restant. Hein. Mais voilà. Normalement, dès que j'ai payé aujourd'hui, le PC, il part. Et bah, je l'avais reçu super vite, donc je l'ai soit demain, soit mercredi, je pense, les gars. Ou jeudi, hein. Mais en tout cas, cette semaine, c'est sûr. Donc, on peut s'applaudir, on peut s'applaudir. Enfin, vous, ça sert à rien, mais vous pouvez m'applaudir, parce que j'ai réussi, enfin, à en venir à bout de cette histoire. Ça a commencé à me casser les couilles. Hein. Bon, je suis désolé de vous avoir fait attendre, les gars, mais c'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire. Aïe, 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 aïe. 150 au lieu de 3000, mais non, mais t'as rien compris toi. Complètement con le mec, j'ai dit 150 au lieu de 400, 450, et il dit au lieu de 3000. Fini à la pisse. Ok, bon, on continue le speedrun. Là du coup on a perdu on a perdu un peu de temps hein, dans les conditions réelles. Du coup courir jusqu'à l'ascenseur, équiper l'arc, déséquiper pendant ouverture portée objet, donc ça je l'ai pas fait. Courir jusqu'au feu devant le château, obtenir torrent. Passer à droite de la sentinelle, direction le site de grâce, plein nord. Pendant le trajet, équiper flasque, magie. Flasque, magie et soin. Il avait mis la magie aussi. Ça me paraît bizarre ça. Salut Ragnarok. Te mettre en ligne, ça gagnerait pas du temps quand tu relances ta game vu que ça va pas charger pour Teuko. Si, si, light, mais bon, là c'est du training. Hein. Moi, c'est juste pour avoir la route dans les pattes. Merci Grigrisou pour ton prime pendant que j'étais avec Groby le téléphone. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que là, du coup, j'ai trigger un combat. Donc, il faudra peut-être que je passe un peu plus à gauche. Sur Devrion, parce que là j'ai trigger un combat et du coup j'ai mon endu qui baisse. Moi c'est bon, ça s'est arrêté. Pas très grave. Qu'en est-il de Gros Bill? Bon. Azazel, 10 minutes. Tu prends pour tout le monde, c'est nécessaire, t'inquiète pas. Ok, alors vous allez voir le dialogue là. Là je me repose. Ah, et ça faut que. C'est terrible ça aussi. Hein. Have they served you? I can play turning route to 80. You need to the foot. Then it's summon me. Ok. I bequeath. Merci pour l'anneau. It will summon torrent. Treat him. Les touches sont cheloues quand même. Hein. Allez, c'est parti. Ah, faudrait que je les désactive les tutos du coup. Tu fais bien de me le dire, je pensais pas que c'était désactivable en début de partie. Donc là j'ai perdu du temps, normalement ça se passera pas comme ça. Et c'est bientôt le wrong warp en vrai. Hein. Puis souvent il crouche de temps en temps quand il court pour faire remonter l'endurance. Ok. Merci pour l'astuce. On est d'accord que du coup, la graine dorée que je viens de récupérer, on... qu'est-ce que je voulais dire? Et pour... Ah putain, mais j'ai changé de touche, je suis trop con. La graine dorée que je viens de récupérer, on l'active pas pour le moment. Moi, c'est là que je préfère en fait. Hein. Ok. Spam le rush sur torrent, ça va plus vite. Spam le rush. Ça veut dire quoi ça? Ah, ça tu veux dire. Mais maintenant il le fait moins, justement. Maintenant il fait le rush une fois de temps en temps. Genre là il le refait, tu vois, mais il le spam pas non plus tout le temps. Donc alors le saut, il était là, je crois. Alors voyons voir. Merci Liga pour ton 19e mois d'abonnement. Thank you.
bien un saut compliqué à faire. Faut qu'on s'entraîne déjà à faire ça. Hein. Je pense qu'il faut que je colle un peu plus le mur. Attends, faut avoir l'idée quand même d'y aller ici. Hein. Oh, attends, les tutos, je vais désactiver maintenant. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Un fichier didacticiel. Non. Parfait. On est bon. Donc du coup, essayez peut-être de coller un peu plus le mur. De toute façon, je vais re-remater un peu comment il fait, Disto. Mais je crois qu'il colle vraiment, vraiment beaucoup plus le mur. Hein. Ah, on y était presque. Hein. Je vais regarder sa trajectoire qu'il prend. Alors, voyons voir. Avec le... Avec la vidéo, ce sera mieux. Du coup... Alors, c'est après ça. Ok, c'est juste là. Qu'est-ce qu'il prend comme trajectoire? Ah, il attend en fait que son cheval glisse un petit peu dans le vide. Ah, il y a un endroit où en fait tu peux glisser, du coup ça te fait sauter plus tard. Et il saute vraiment très très tard. Hein. Quasiment aligné avec le sol. Ok. Bon, on va réessayer. Quasiment aligné avec le sol. Ouais, je sais, Diachor, mais j'ai pas le temps de le faire, en fait. L'animation de mort arrive vraiment très très vite. Et vu que je connais pas encore très bien l'input pour le save and quit rapide... Déjà, rien que ce saut-là, je suis sûr que je vais mettre 10 minutes à le réussir, quoi. Ça paraît tellement con à réaliser. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Je vais me re-TP pour le refaire. En fait, c'était ça, c'était l'astuce de glisser, légèrement glisser dans le vide. Pour le faire, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment beau aujourd'hui, bah merci Jules, hein. C'est... qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est gentil ça. Ok, c'est pas si compliqué à faire, c'est juste que je pense que si tu fais vraiment pas attention sur le moment, c'est le genre de truc où tu peux vraiment te faire avoir comme un bouffon. Alors on va réessayer. Ouais, c'est bon, ok. Ça marche. Donc ça, c'est bon. Ensuite, activer site de grâce, prendre la direction vers le vide, double saut sur corniche, avancer jusqu'à la meute de l'eau, puis sauter sur les rochers. Ah oui, il faut qu'on regarde où est-ce qu'il saute. On va mater. Alors, matons. Comment qu'il fait celui-ci? J'avais mis le timecode, c'est 5 minutes 40. Je crois qu'il saute entre deux gros rochers. Je veux juste voir s'il fait un double saut ou pas, en fait. Donc là, les loups. Il se laisse tomber beaucoup. Double saut, mini corniche. Et ensuite, sur arbre jaune. Et il saute, j'ai l'impression qu'il fait son double saut vraiment au dernier moment. Il saute une fois, il attend d'être vraiment bas. Hop. Ouais, quasiment à hauteur de ça. Double saut. Saut simple sur corniche. Quasiment au-dessus. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. C'est fastidieux, les gars. Hein, mais bon, c'est l'apprentissage d'une run. Hein. Si tu rushes avec le cheval avant le saut, tu sautes plus loin. Comment ça? Attends, je suis où, là? Hein? Ah oui, ok. J'ai juste pris le mauvais endroit.
Alors faut pas que je me trompe d'endroit par contre, parce que c'est fort probable que je sois assez con pour sauter au mauvais endroit. Dans tous les cas, ça nous refera... Ça nous entraînera sur le saut d'avant. Hein. Donc c'est pas là. Oh, sérieux, la branche, c'est là. Ok, ensuite c'est direction nord. Avancer jusqu'à Meute de Loup, direction nord, activer site de race. Ok, c'est là. Donc c'est pas très compliqué en vrai. Ça se fait tout seul. Ouais, j'ai peut-être été un tout petit peu trop sur la gauche. Enfin, sur la droite. Le site de grâce, il est là-bas. Je crois, hein. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il est là-bas. Et non, il est pas là. On l'aurait raté? Je pense qu'on a dû le rater. Je vais aller voir. Ouais, c'est ça, Bistouk. En face continue, mais je suis pas certain que ce soit celui-là. Car mec, c'est pour ça que je dis ça. Je vais vérifier. Je vais regarder le chemin qu'il fait en fait tout simplement après avoir fait le saut. Ouais, donc c'est nord-gauche hein, quand même. Hein. Il suit le chemin en fait. Je l'ai bien raté. Donc vous savez quoi? Hop. Je vais réessayer la totalité du truc, comme ça, ça nous entraîne. Et on n'aura pas à le refaire. Il tire pas les ballons tout le temps. Non, Indy, il fait pas ça pour l'instant. Il n'a pas besoin. Mais c'est vrai que c'est bien à farmer ces trucs-là. Hein. Justement, j'étais sur le cul quand on y était arrivé. Parce que ça donne tellement de runes, c'est les ballons là. Ça donne 10 000 runes, non, quasiment. On va reprendre ça quand même, c'est pas propre. C'est bien à gauche, hein. Faut serrer. Hein. Donc ça, c'est rentré dans ma tête, c'est bon. C'est pas si compliqué à faire. Et ensuite, direction les loups. Juste imagine, il y a un petit skip à la con comme ça, avec un saut pourri à la fin du jeu. Tu chies ta run au dernier saut comme ça. Ça, c'est le genre de truc qui sont capables de m'énerver d'une force. Hein, donc... J'espère qu'il n'y aura pas ce genre de choses. Ah, tu vois ça par exemple, ça aussi ça peut m'énerver dans une run. J'espère qu'il n'y aura pas ça. Hein. Voilà, j'ai sauté un petit peu haut. Ouais, c'est ce que je me disais. En fait, du coup, la méthode... C'est bien qu'on meure là, parce que moi ça m'apprend le pourquoi. J'étais sur une pierre... Au lieu d'aller sur la pierre qui est un petit peu comme ça, tombante, j'ai continué sur la pierre qui est normale. Et du coup, on est juste trop haut. Un tout petit peu trop haut pour pouvoir pas prendre de dégâts sur le truc. Bon, c'est bon à savoir. Pour mon placement, c'est mieux de savoir ça maintenant parce que... Ben non, Aiko, justement. En fait, si tu fais un double saut, mais que t'es, t'as tu sautes à une hauteur où le jeu te dit « Ah non, bah là, t'es trop haut. » Faire un double saut, ça va pas changer ta mort. Hein, c'est... Non, ça va, on a même un peu de liberté. Je peux carrément me mettre un peu plus loin pour le saut. Merde.
Alors, réessayons. J'ai hâte de tester le Wrong Warp en vrai. J'espère que ça marche bien sur PS5. C'est le seul truc qui me fait peur. Parce que si on try pendant 30 minutes, je pense que c'est pas moi le problème, mais c'est peut-être que ça marche pas sur PS5. Ah, là, par exemple, j'ai fait encore trop bas. Du coup, je suis... Voilà, ah, bah, save strat. Save strat, ça marche, ça. En fait, c'est plus compliqué que... Qu'est-ce que je pensais, hein? Ah, ça, j'avais oublié à quel point le speedrun, c'est ça. C'est faire les choses parfaitement first try et ensuite se chier dans la couche en recommençant après. Ah, c'est un classique, ça. Donc, c'est possible de mourir ici. D'accord. J'ai pas trop compris pourquoi je suis mort, mais... Il trahit les skips sur les grâces pour finir le jeu en 100%, c'était bien pratique. Ah, et du coup, ça marche. T'étais sur console ou pas, Bistouk? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était bon. Parce que j'ai pas le PC, Kizna. C'est aussi con que ça. C'est juste que j'ai pas le PC. Je peux pas streamer et jouer sur mon PC actuel. Mais ça va changer. Et ça va très vite changer. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai hâte, hein, les gars. Bon, alors, voyons voir mon erreur, là. Parce que j'aimerais comprendre un petit peu ce qui se passe. Même le premier saut, je l'ai pas réussi, donc c'est bizarre. Si, si, je vais le faire, Céline. Merci pour ton rappel, d'ailleurs. Refais-y-moi penser si je réoublie à la fin du saut. Mais oui, tu fais bien de me le redire. Alors. Ah, c'est bizarre quand même. Est-ce que je saute trop loin? Est-ce que je saute trop loin ou c'est mon double saut qui est pas bon? C'est un peu chelou. Faut que je comprenne pourquoi ça fait ça là. Salut Marcel. Ouais, je pense que j'atterris sur la mauvaise pierre. J'atterris, je pense, sur une pierre qui est trop basse. C'est quand même con le speedrun. Hein. J'ai réussi du premier coup, tout à l'heure. Et maintenant, ça chie dans la colle. Ok. Je pense que je vais adopter cette technique. Ce sera beaucoup plus simple pour gérer la caméra. Et moi, au moins, je m'y retrouve comme ça. Donc là, j'ai mon index sur la touche rond. Je bouge la caméra avec mon pouce et je vais sauter avec mon pouce. Imaginez-vous le truc, là. Ça n'a aucun sens. Ah, bah là, c'est totalement raté. Bon, après, il y a moyen de safeiser le truc, du coup, mais c'est beaucoup plus lent. Voilà. Alors, c'était nord-gauche, donc par là. Bon, il y a moyen de faire autrement, c'est pas très grave. Et maintenant, le warp. Du coup, activez le site de grâce. Merci TSG pour ton tier 1. Ouais, c'est plus safe de le faire comme ça, mais... Alors, maintenant, le warp. Utilisez objet TP. Donc, je vais faire... Raccourci haut. J'ouvre la map L1. Et non, du coup, j'ai oublié un truc dans ma note. Là, c'est triangle. Alors, triangle haut. Map, triangle, L1, cabane de valorage. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais le changer. Cabane de valorage. Du coup, on répète. Tac haut, tac haut, map, hop, hop, hop. Pas si compliqué. J'essaye. Ah putain, vous avez raison, les 15 minutes. J'essaye d'abord. Ah putain, c'est... Ah putain, c'était trop...
C'était trop. Ok, il faut vraiment être rapide. Et en fait, je pensais qu'on avait un petit temps. Je pensais qu'on avait un petit temps après l'utilisation, mais en fait, pas du tout. Ah, j'ai pas appuyé. Ok, il faut que je fasse double clic. J'ai oublié. Pas assez rapide. C'est compliqué, hein, franchement. Après ça, c'est uniquement question d'habitude, hein. Ah, j'ai fait annuler comme un con. J'ai fait clic gauche, annuler. Non, je ne veux pas warp, monsieur. Moi, warp. Fous de ma gueule. Mais c'est pas possible. Alors, je disais, j'ai roulé sur le let's play, mais là, je vais dire, j'ai cliqué pendant le speedrun. Ok, alors me faire aux touches. Triangle haut. Touchpad. Triangle, L1, bas, croix-croix. Un tout petit peu trop tard, mais c'était pas mal. Alors là. Il m'amène à Valorage ? C'est pas là, hein, que je veux aller. C'est pas là, hein. Est-ce que c'est moi le souci ou... Oublie pas qu'il faut quit game derrière. Oui, mais enfin... Pas maintenant, c'est après, normalement. Je vais essayer un truc. Ça. Oh non, elle va m'amener à la table ronde, l'autre bouffonne. Forgive me. Tu viens de faire un wong wong warp. Attends, j'ai peur là. Est-ce que c'est moi qui le fais mal? Ou est-ce que c'est le timing qui pue du cul? Je pense que je suis juste pas assez rapide. Hein. Ou alors je le fais trop tôt. Et du coup, en fait, le jeu considère qu'en fait, je me TP avant d'utiliser l'objet. Ok, c'est ça. En fait, là, du coup, je suis trop rapide pour le jeu, pour une fois. Il faut que j'active mon os du retour. Ensuite, avec mon menuing, je me mets là. Et j'essaie d'appuyer à peu près au même moment que l'os du retour, quand il s'active, et sur la cabane de Valorage. Putain, c'est compliqué, hein. Vraiment, faut le timing, hein. Je vais voir, hein. Je pense que c'est ça, le souci. Là, j'ai pas appuyé. On va essayer. Là, j'ai appuyé en même temps. Faut que j'ai un repère sonore, en fait. Toujours pas. Je vais regarder, lui, ce que ça fait sur sa run. Je vais regarder. C'était pas trop mal, là, j'ai l'impression, mais peut-être que je l'ai fait encore un poil plus tôt, tu vois. Tu dois le faire juste après avoir touché le site de grâce. Est-ce que ça joue sur le glitch? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on recommence une run jusque là? Oui, je fais gros build, vous avez raison les gars. Je le fais. Ah, si vous avez l'info là-dessus, je veux bien. Est-ce que du coup le fait que je le fasse après, mais beaucoup plus tard, après avoir touché le site de grâce, ça joue? Ou pas? Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut que je recommence une run pour faire ce glitch et il faut que je le fasse en one shot à chaque fois. Ça va être long, hein. Ça va être long. Bon, j'ai toujours pas de demande de gros build. Ça fait chier. Ça attendra. Oui, Shanks. Oui. Ouais, parce que lui, dans le timing, c'est... Site de grâce. Raccourci. Map. On va essayer avec le timing qu'il fait. Sinon, on va recommencer. Hein.
pour voir. Alors. Un peu trop tôt. Putain, s'il faut le faire vraiment avec l'enchaînement, toucher site de grâce, puis ça, compliqué, hein. Ah. C'est un peu trop tard, je crois. Faut juste s'asseoir au feu à chaque essai. Ok, merci pour l'info. Je crois que j'ai pas eu le temps. On est pas loin, hein, je pense. Hein. Là, j'étais un peu trop lent, je pense. Je crois que j'ai pas eu le temps d'appuyer à la fin. Putain, je suis content en vrai, je pensais pas que ça allait passer propre. Ok, bon, je vais le réessayer, faut que je le traîne ça quand même. On arrive du coup bien ici. Ah, attendez, je remets juste mon bloc-notes pour voir un peu mes notes. Direction nord, prendre le téléporteur. Il est là le TP, non? Bien repérer le timing du coup. Ouais, en gros, c'est dès qu'on entend le son là qui fait Queens, dès que c'est à peu près Queens, j'appuie. Queens, j'appuie. Queens, j'appuie. Ah ouais, si on était obligé de refaire la run à chaque fois, l'enfer, vraiment. Donc là, ensuite, on rappelle la monture. On peut mourir ici, c'est une info que je voulais. Ok. Sauter avec monture vers sud-ouest, puis direction ouest, prendre coffre ruine, hachette. Ok. On va voir. Alors on va faire ça. C'est quoi la direction que je vais prendre? Sud-ouest. Ok, donc c'est là. J'espère que c'est le bon endroit. Hein. J'avais pas le souvenir qu'il courait autant, moi, Disto. J'ai l'impression que je me dirige pas au bon endroit, là. Hein. Ah. Non, c'est pas là du tout. On va regarder, c'est pas grave. De toute façon, je voulais retenter le wrong warp. On va réessayer. Alors, c'était lui. Non, par contre, du coup, tu dois avoir des, wrong, des warps qui sont encore plus compliqués à faire parce qu'il faut faire un coup de menuing avec... Ouais, ça va être compliqué, hein. Je pense que je l'ai. Ok, c'est bon. C'est pas si compliqué à faire. On a même pas mal de temps en fait. Donc c'est vraiment parfait. Ok. Alors, je vais retourner au feu. Je vais voir par où il passe. Oh putain, je suis content. Je pensais que ça allait être vraiment compliqué à faire un warp. En fait, ça passe de ouf. Alors, où est-ce qu'on en était? Ouais, c'est ça qui fait.
Est-ce qu'il a un repère là? Donc c'est juste avant l'arbre jaune. C'est plus ou moins là où on allait. Ah ouais, c'est sud-ouest. En fait, c'est ouest gauche. Hein. Il passe à droite du petit mausolée. Sauter avec monture vers sud. Ah oui, ok. Bon, ça n'a rien à... ça n'a rien à voir. En fait, j'ai juste mal lu mes indications. Donc ouest gauche, ok. Donc un mausolée. Ça doit être l'espèce de truc derrière là. Mais ouest 1 pour les crochets. C'est vrai que c'est pas con ça. Après, ça peut être ouest 1 vers la droite. Donc je préfère mettre ouest gauche. Remembrances has some like crazy parkour you can do too. I haven't actually really watched a full run. Ok, donc il récupère ça. Et ensuite nord-nord gauche. Qu'est-ce que j'ai mis comme indication? Prendre coffre, achète, puis direction nord, récupérer la clé de l'académie derrière dragon. Je vais mettre ça. Not watching all his streams. I've just been streaming too much myself. Ensuite, il fait le tour de la pierre dragon. Nord-ouest, il fait le tour, beffroi. Ok. Ça marche. Et ensuite, il va utiliser pour toi. Ok, en vrai, là, les gars, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire le chemin une fois. Ouais, mais ouest moins 1, je trouve ça moins logique quand tu lis vite, en fait. Je vais faire le chemin une fois, je vais relancer une game et je vais essayer de refaire tout ça une fois, juste pour me le mettre dans la tête. C'est pas vraiment intelligent comme façon d'apprendre les speedruns, je sais, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que souvent, quand j'arrive à la fin d'un speedrun, en training je parle, je connais beaucoup mieux le début que la fin. Du coup, je me rate quasiment jamais sur le début et par contre la fin c'est un calvaire. Mais bon. Au moins, comme ça, on aura régul le premier truc. Sachant qu'il y a des trucs qu'on a un peu raté tout à l'heure. Je pense que c'est pas plus mal si... Ah merde, c'est dans l'autre sens, du coup. Ok, c'est parti. Ok, donc ne jamais passer à droite. Passer à gauche, faire le tour ici. Ça marche. Oh, les enculés. Le speedrun, le world record, enfin world record, c'est un peu bête de dire world record alors que le jeu, il n'y a même pas de page speedrun.com, mais encore pour l'instant c'est 28 minutes 50 je crois, un truc comme ça. ...28:59, merci Marcel. Ok. Je pense que on va recommencer. Je serais tenté de me chronométrer aussi. Ce qu'il y a, c'est que vu que je suis sur PS5, j'ai pas le truc pour stopper dans les chargements. Donc c'est chiant. Allez, on supprime ça. Nouveau, c'est parti. De toute façon, on regardera l'in-game time hein, tout à l'heure, l'IGT. Ce sera beaucoup plus simple. Ça. Ok, c'est parti. Ah bah je comprends, Villa. Hein. C'est pas pour tout le monde le speedrun. Hein. Ça fait mal au cœur parce que j'ai fait une émission là-dessus et j'adore ça, mais... Mais je comprends tout à fait que ça dégoûte. Hein. Ah merde, j'ai pas fait... Bon, c'est pas grave. Rien que j'y pense, mais j'ai pas fait le save and load. Save and quit plutôt. Après, toi, tu serais peut-être plus un viewer de powerplay, tu vois, des gens qui jouent super bien. Mais le speedrun, c'est du powerplay, hein. Genre, les run all boss, machin, c'est du powerplay, hein. No hit, c'est du powerplay, tu vois. Peut-être c'est plus ta cam, tu vois. Il va direct à gauche quand il ouvre la porte, du coup, il prend pas la passerelle. Ok, Green Lamp. Je rematerai, j'ai pas fait attention à ça. En full glitch, ignoble à regarder aussi.
Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Genre, il y a des runs, c'est vraiment spectacle de ouf, je trouve, hein, à mater comme ça, hein, en full glitch. La run de DS2, je la trouve trop cool à mater. Hein. Le vieux patch de DS2, j'appelle ça. Et là, le All Remembrance, donc pas le All Boss, c'est à 2h05 à peu près, je crois. Mais ouais, je suis d'accord qu'il y a des jeux, c'est vrai, qui sont beaucoup moins agréables à mater en speedrun que d'autres. Clairement, clairement. Ouais, j'ai vu Apologizer. Il est... Après, c'est bien. Moi, je suis content, hein. Damien, il joue au jeu. Hein. Parce que quand il me voyait jouer à Dark Souls 3 ou des trucs comme ça avant, il était en mode, mais t'es totalement fou de jouer à ce genre de jeu. Ah, je comprends pas que tu puisses prendre du plaisir. Au final, il aime bien, non bon. C'est que les boss principaux. Non, la All Remembrance, bah, c'est comme ça s'appelle. All Remembrance, tu traduis, c'est tous les souvenirs. Donc, tu tues tous les boss qui te donnent des souvenirs dans le jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, bah moi j'ai appris hein, le speedrun de DS2, là, la vieille run qui est toute cassée là. C'est l'un des speedruns à jouer, hein, je parle. Et à regarder, je trouve ça impressionnant aussi. Parce qu'en fait, le jeu est complètement pété, tu t'en rends compte en voyant le speedrun. Je trouve qu'à faire, c'est un super défi, c'est trop trop bien. C'est... Quand tu rentres un glitch, t'es fier de toi en fait. L'épée nuit ardente, en gros, son weapon art 1, c'est un Kamehameha. Et son Weapon Art 2, ou l'inverse, je sais plus, hein. C'est un... Une nuée de feu. Et c'est tellement fort. C'est peut-être l'arme intelligence foi, je sais plus ce que ça, sur quoi ça scale. La plus cheatée du jeu au début. Hein. Bah parce que c'est comme ça dans la run, Galadr. Pour l'instant, je sais pas. Je pense que c'est uniquement parce qu'il y a des points de stats qui sont plus intéressants à voir au début de la run. Hein. On le saura très vite. Alors du coup, là, faut pas que je me trompe. Bon, je le fais pas encore vite, hein, c'est normal. Ça arrivera avec le temps. La hache, en fait, on s'en sert pas beaucoup dans la run. On va se servir, en fait, d'un sort. Tu vas voir qui est pété. Et la hache, ce sera juste, bah admettons, il reste vraiment un HP à mettre au boss pour le tuer. On met un petit coup de hache dans le museau, c'est tout. Merde. Ok, donc on en était là, on avait un peu bloqué tout à l'heure. Bah ça a souvent aucun rapport, hein, Cherry Lane. Hein. Souvent, c'est mieux de speedrun un jeu sur PC pour live split, tu vois, justement. Ou parce que t'as des paramètres de jeu que t'as pas de base sur console. Par exemple, je pense au FOV, ce genre de truc-là. Après, les exclus console, bah, tu te doutes bien que Bloodborne, par exemple, hein, bah, c'est runné sur PS4. Hein. On a réussi ce saut-là, c'est déjà pas mal. Pour l'instant ça se passe bien. Et là j'ai dit ça et je vais chier dans les couches. Bon, je le safeise. Tant pis. Je suis mort. Ah putain, c'est bon. Bon, c'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas très grave.
Oh, j'ai totalement chié. Oh, j'ai totalement chié. Je me suis trompé de bouton. Bon, c'est pas grave. Tu mets pas de compteur? Non, pas pour l'instant, Anto. Je voulais juste voir si j'ai bien mémorisé le truc. La preuve que non. Oh, quel con! Fait chier, elle aussi. Ah, du coup, c'est ça qui est chiant, en fait, si tu te trompes. Hein. Elle te propose de te TP à la table ronde. Non, merci. Sans façon. Alors, je pense que c'est passé, je suis pas sûr. Ok, j'étais un tout petit peu trop lent. Je sais pas si ça marche. Ok, c'est bon. C'est bon, ça passe. Allez, on va faire le chemin. Pour finir le split, pour voir à peu près où j'en suis niveau temps. Bon, ça va, ça se passe bien. Je pensais qu'on allait beaucoup plus galérer, hein, le warp. Hein. Ça se fait tout seul en vrai. Hein. Nombre exact de boss sur le jeu, je sais pas. Je crois qu'il y en a 120, non? Des brouettes, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. En tout cas, il y en a un petit peu plus d'une centaine, je pense. Ça, c'est sûr et certain, mais... Vu qu'il faut compter aussi les boss doublons, que tu te retapes plusieurs fois dans l'aventure, etc. Ça doit être faramineux, hein, le nombre. Hein. Ok, à gauche du mausolée. 146. Ah ouais, putain, quand même. Bon, on n'a pas fait tous les boss du coup, hein, dans notre let's play. Hein. Après, j'en ai fait pas mal du coup off stream ce week-end, en jouant. Sauf Mog, j'ai dû faire 5-6 boss. C'est que des boss qu'on croise, qu'on a déjà croisés. Hein. Donc bon. Vous avez pas raté grand chose. Malenia, on l'a déjà croisé, ouais. Pas fait par contre. Mais on l'a croisé dans le let's play. Le glitch avec l'arme pour ce TP fonctionne? On l'a pas testé ce glitch là. Là on a fait le Wrong War pour l'instant, mais on n'a pas fait ce glitch là, non. J'ai jamais essayé. Je vous ai pas montré d'ailleurs, je vous ferai voir après si vous voulez sur YouTube à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant quand même. Mon boss préféré pour l'instant, je pense que c'est Godfrey into Oharalu. Je le trouve trop stylé. Je sais pas, au niveau des attaques, des patterns, la gueule du boss et le combat. En fait, le combat est lisible. Il te demande juste d'apprendre ses timings et tout. Je kiffe bien. Dans la montée, suive le chemin vers les 4 beffrois. Allez hop, c'est parti. Mais ouais, Godfrey into Oharalu. Trop bien ce boss, je kiffe. Ouais, c'est ça, le combattre en fait, c'est juste kiffant. J'ai vraiment adoré ce boss fight. Hein. Alors, dans la montée, suive le chemin vers les 4 beffrois. Ouvrir le coffre le plus haut, au plus haut beffroi, donc c'est là-haut. Pour la clé de l'âme imprégnée, activer le site de grâce. Ensuite, on redescend au beffroi le plus bas. Ok. Ça doit être là, non? À gauche. Ah bah non. Il est là le beffroi le plus bas? C'est celui-ci, non?
Ok. Du coup, ça, les gars, c'est le premier split du speedrun. Donc, c'est faisable. Je vais save and quit pour voir... Ouais, 10 minutes, 10 minutes 10, sachant que je peux faire bien mieux avec le menuing et les sauts, sans se rater. Ça fait un premier split à 10 minutes, c'est propre. Ok. Je vérifie quand même. Ouais, 10 minutes 12, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on prenne nos notes sur la suite du speedrun. Je vais peut-être couper la manette, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Et hop, c'est parti. On cache le Elgato. Tac. Retour à YouTube. Et là, il va falloir qu'on continue à prendre nos notes, les mecs. Je vérifie gros bill, hein. J'aimerais bien... si je peux payer mon ordinateur pour... juste pour pouvoir... pour pouvoir le recevoir, hein, et faire des streams encore plus qualitatifs, ce serait cool. Ce serait cool. Hein ? Hein, PayPal ? PayPal, j'ai pas de demande de paiement, là ? Hein ? J'ai pas de demande de paiement. Ça commence un peu à me bronzer les couilles, cette histoire, non ? Il m'avait dit, quand j'ai... Éteins le téléphone. Dans les 10 minutes, monsieur, vous avez la demande de paiement. J'ai toujours rien. Bon, les gars, faites-moi penser. Si à 16h, j'ai pas la demande de paiement, j'appelle. Vous me faites penser. Hein. J'appelle et je leur chie dessus. Ça marche ? J'envoie quand même un message à Grobil pour leur dire je n'ai toujours pas la demande de paiement. Hein, on sait jamais, hein. Ils sont pas finaux quand même. Ils ont pas inventé la powder. Hein. Aïe 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 aïe. Allez, bloc-notes. Do I have wrong warp at the end? No, you actually do the wrong warp super early. It's like 8 minutes in, so it's not too bad. Est-ce que tu as des conseils? Oh là là, Risotto. Ça dépend si tu veux jouer manette par exemple. Le meilleur bail, c'est de speedrun un jeu que tu adores. Hein. Tu regardes sur speedrun.com les différentes catégories sur le jeu que tu kiffes le plus qu'il y a. Il y a souvent des guides. Et le mieux, c'est ça. Hein. Un jeu que t'adores ou alors un speedrun que t'as vu et que t'aimes bien où tu te dis putain, j'aimerais bien tester, ça a l'air cool à faire. Faut pas te forcer à faire un speedrun sur un jeu que t'aimes pas ou un speedrun qui t'intéresse pas. Quoi. Hugo, il y a un State of Play jeudi à 22h consacré à Hogwarts Legacy. C'est vrai ça ? Attendez, c'est une bonne nouvelle. Tu te fous de ma gueule ou c'est vrai, Axel ? Oh, c'est inattendu en plus. Jeudi, 22h. Ils l'ont tweeté. Ils l'ont tweeté. Eh ben écoutez, le rendez-vous est pris, non ? Vous êtes d'accord ? Hein ? Le rendez-vous est pris. Ce qu'on fera certainement, c'est des trials de speedrun si je l'ai appris avant. Et après 22h, on matera le direct, hein, avec plaisir. Ah, et chose que je vous ai pas précisé pour aujourd'hui, les gars, je dois couper le stream à 17h. Donc vous allez pas me voir beaucoup. J'ai une réunion après. Moi, une réunion. C'est comme ça, les gars. Pour parler de mon métier. Ok. Donc je fais ça à 17h. Bah, je vais pas vous dire pourquoi, parce que ça vous regarde pas, mais je vais parler de mon métier. Hein. Et je vais parler en anglais, les mecs. Donc je vais user de la LV2. Hein. Ça dure 20 minutes, donc 14 minutes de gameplay, tu pourras co-stream, il y aura des musiques copyright durant le... Oh, j'en ai rien à foutre des musiques copyright. Hein. Merci Jennings pour ton 4e mois d'abonnement, c'est très gentil. Bon alors, on s'était arrêté là. Sub 20 is impossible. If we can figure out the teleport stuff, honestly the run could probably go sub 20. Deuxième split. On présente les choses comme il faut. Du coup, le deuxième split, il dure... Oh, il dure pas longtemps. Il dure 3 minutes 30 à peu près. Je pense que c'est juste une partie où il va courir. Ouais, je l'ai expliqué, Marcel, au début de la VOD. Enfin, du live, j'ai expliqué. Oh, il y a un petit warp, là.
Alors, du coup, voyons voir. C'est le moment d'utiliser la vitesse en 0.5. Alors du coup, dès qu'il a spawn, Storm il shack. Encore le même truc, ok. Spam, hausse du retour, j'appelle ça hausse du retour, j'ai même pas regardé. Je vais remettre la manip, TP cabane de valorage. C'est encore cabane de valorage, c'est pas plus mal. Au moins comme ça on se trompe pas. Ok. I think I got that. I hope. Please. Save and quit à la fin du chargement. Nice. Okay. Propre. J'ai tellement hâte de refaire le jeu, enfin de faire le speedrun sur PC. Je trouve ça catastrophique de devoir faire ça sur PlayStation. Parce que là, déjà, on aurait des temps et on pourrait s'améliorer en fait. C'est ça qui me saoule. Bon, alors, maintenant. Je pense que ça va juste courir. Qu'est-ce qu'il fait là? Courir et rééquiper le set samouraï. Hop. Putain, j'ai faim. J'ai dit samouraï, j'ai faim quand même. Un problème. Hein. Alors je vais regarder le chemin qu'il prend. All ruined bears run. That sounds... La Golden Rune, je suppose qu'elle sert à quelque chose. Hein. Se laisser tomber. Au bout du pont, à droite, et prendre Golden Rune. Epic. Ah, cette zone-là, on l'a tellement rushée en plus. Alors pourquoi il savait une quit là? C'est un reset des ennemis, je suppose. Save and quit pour un reset position ennemie. Je suppose que c'est pour ça. Hein. C'est juste pour être safe. Yeah, true bubbles. What's up, dude? Ensuite, tout droit. Ah, il nous avait fait chier, ceux-là. Hein. Mais ça va, c'est pas... Je pense que la pire zone avec les mobs qui nous cassent les couilles, c'était avant de faire Loretta. Donc là, normalement, il y a un dragon qui spawn, je crois. Merci, Dwanra, pour ton prime. Merci beaucoup. Ok. Donc ça, je vais le noter. Longer la plateforme en passant à gauche du dragon. Yeah, it's a bitch quit. That's true. Et du coup, j'ai vu ce qu'il a fait, Disto. Ouais. Ok, il se baisse dans sa course pour pouvoir reprendre sa stamina. Ça marche. Yeah, you have to rest at the Belfry Graves if. Alors, le chemin, ça va être le plus dur. Hein. Passer devant site de grâce. Ça va être que de la tête. Hein. If you touch it, you don't have to, though. Je vais remettre le chemin, là, je vais mettre un timecode parce qu'il va falloir qu'on le mémorise. Hein. C'est difficile de tout détailler comme ça à l'écrit. Oui, à droite, pardon, je pensais à autre chose, vous avez raison. Je suis con. Merci, hein. Merci d'être là. Qui parle là? C'est qui parle, le gosse là? C'est insupportable. Sauter au milieu. Du couloir. Et passer derrière le site de grâce. Dehors. Prendre. Somberstone. Ah, c'est sa femme! Ok, ah oui, bah.
Moi j'ai ça aussi à la maison, mais ça vient pas m'emmerder quand je travaille. Hein. C'est une règle. Quand ça vient, c'est uniquement pour m'apporter un petit encas. Hein. Et c'est vrai, vous l'avez vu, hein. C'est vérifiable. Oh là 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 là, on va se tromper, je le sens. Descendre vers le site de grâce. Et l'activer. Et qu'est-ce qu'il nous fait après celui-là? Et il nous fait un save and quit ici, à quoi ça sert? C'est reset l'aggro aussi? Hein? J'ai pas compris. Il active le site de grâce. Ok, save and quit. Je vais le noter ça. Hop. Il se reco. Et c'est là où on met en 0,5. Je vais lui fermer sa gueule sinon. Je pense que c'est pour perdre l'aggro et pas avoir de soucis en glitchant. Donc là, dès qu'il est re-TP, il spam son bonne shard. Ah bah non, il a même pas fait le truc de reset. Et oui, vu qu'il reload, en fait, il a pas besoin. Ok. Donc save and quit. Vous me dites s'il y a un truc que j'ai pas capté, les gars. Mais je crois qu'il save and quit. Reload. Reload la save. Into. Ouvrir map. Triangle L1, c'est ça qui fait, hein. Je vais regarder. Ouvrir map. L1, ok. L1, et là il fait même pas bas, c'est L1 direct. TP, South, Raya, Lucaria Gate. Ok à Nantes, merci pour l'info. Donc là il va nous refaire un save and quit. Nice time save. Ah non d'accord. En fait fais pas de warp là. Nice. Juste il se TP. Il voulait perdre l'aggro pour TP. Ok donc c'est tout con. Donc c'est tellement pas un warp en fait, je me suis excité pour rien. Donc save and quit, il reload sa save, il ouvre sa map, il se TP à la porte de l'académie. Time save. Ok, direction l'académie. On passe la porte de l'académie. C'est bon. Et c'est la fin du... Ah, il a splitté. Du coup, c'était la fin du split camp. Nice. J'ai pas vu. Ok, c'est dès qu'il se TP. Donc là, c'est la fin du TP. Ça marche. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Là, je pense que c'est uniquement de la... C'est un peu chiant parce que c'est uniquement... comment dire? De la randonnée. Mais bon, c'est nécessaire, donc on va la prendre. Hein. On passe à la porte d'académie. Ok. On va essayer du coup. YouTube, ça dégage. Le gâteau. Hop. On continue à la suite de ce qu'on avait fait. Portuga. Hein. Qu'est-ce que c'est bien, Crash Bandicoot. J'y ai rejoué récemment en plus ce dernier. Là, c'est quand même masterclass. Hein. C'est quand même masterclass. Hein.
Le It's About Time. Qu'est-ce qu'il est bien. Alors. Où c'est qu'on est là? Il y a un bug dans la matrice là. Ah salut Seeker, comment tu vas? Ouais, bah c'est un peu pour ça que j'ai attendu aussi hein. Je te cache pas. Qu'est Pasta là? Pourquoi il est... Me dites pas que j'ai Wong Warp au mauvais endroit. J'ai Wong Warp? J'ai Wong Warp encore? Utilisez téléporteur. Ah oui, j'ai oublié de Wong Warp. Faut y penser, hein. J'avais oublié. Alors, les 4 beffroi. On va s'y téléporter. Et on va le refaire, comme il faut. Qu'est-ce que j'ai faim, putain. Vu qu'il n'y a pas de feu, si tu fais, là, faut revenir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Un peu chiant, mais bon. De toute façon, on va bien prendre le pli, hein. On va être habitué au bout d'un moment. Je pense que c'est bon. Putain. Il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir. T'as pensé à Groby Lugo? Je vais rechecker juste après. J'ai pas assez appuyé. Ah, j'étais fier de moi, là. J'ai fait caca dans la couche. Pas que c'est pas bon là. Alors je pense que du coup je warp trop vite. J'appuie trop vite. Non, je fais un truc mal. Pas compris la mécanique des grands warps. En gros, c'est simple. Tu. Bon, là c'est pas simple parce que du coup je rate, mais c'est pas si compliqué en pratique. Dès que tu as le message que t'es quelque part. Tu sors d'un site de grâce ou que tu actives un site de grâce. En même temps, j'utilise mon os du retour. Et j'ouvre la map pour me TP à un endroit. Et du coup, le jeu comprend pas parce que du coup, tu veux te téléporter à deux endroits différents. Et du coup, il t'amène ailleurs. C'est ça. Non, je pense que justement, le bonne charge, je le fais trop tôt. Ah, là, peut-être pas assez vite. Pourquoi t'es content? Attends, non, là, y'a un problème. Bizarre. Là, je comprends pas. C'est très chelou que ça marche pas.
Spam l'os du retour. Ouvrir la map, triangle L en bas, TP cabane de valorage. Assis-toi au feu des beffrois après la première et ça va passer tout seul. Tu penses? Ah ouais, t'as peut-être raison en plus. J'espère que c'est ça. Oh, j'ai eu un peu de cerveau, du coup j'ai oublié, je me suis posé trop de questions. C'est pas grave, ça me permet de recommencer. Pas facile de s'y faire au menuing là. Ouais, bel et bien un problème. Alors là, c'est peut-être mon timing qui était pas mauvais, je vais réessayer. C'est bizarre que ça marche pas. Oh là. Mais le pad de la PlayStation aussi, c'est de la bite, ça. J'appuie dessus, tu sais pas si ça marche ou pas. Du coup, je suis curieux. En vrai, j'ai envie de retester l'autre war pour voir si ça marche ou pas, parce que c'est bizarre. C'est bizarre que ça bug comme ça. Non, sérieux, le pad, c'est chiant à activer le truc. Ce serait beaucoup plus simple avec une manette d'Xbox. Il faut se concentrer quand on fait le truc, hein. C'est tellement pas une manie que c'est compliqué. Hein. En fait, je comprends pas pourquoi... Sur PS5. Alors peut-être qu'on peut, hein, et que je l'ai jamais fait. Du coup, leur bouton sert à strictement à rien, mais... J'aimerais bien que la touche pas de tactile, en fait, ce soit mon bouton cher, hein, ce serait tellement mieux. Alors. Concentration. Ah, j'ai chié encore. T'as vous écoutez vraiment de Reddy en plus, hein. Bande de cons, va. Si, je crois que tu peux dans les options, dans les paramètres de la PS5, rebind toutes les touches. Bon, alors là, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Je fais peut-être quelque chose de mal. C'est sûr, même, mais c'est bizarre, ça marchait très bien tout à l'heure, le Wong Warp. J'espère que je me TP bien au bon endroit. Cabane de valorage, ça m'a l'air d'être bon. C'est bizarre, hein. Je vais réessayer en essayant d'appuyer sur le cabane de valorage plus tard. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que ce soit ça le souci, en fait. Bah ouais, mais tout à l'heure, Green Lamp, ça marchait très bien. Hein. Je pense que c'est juste que j'appuie trop vite sur le TP de... De valorage.
Pourquoi ça fait ça? Ouais, je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est le timing qui va pas. Je crois que c'est bon. Ok. Donc ouais, je le fais vraiment trop tôt. Faut pas le faire trop tôt. Là, ça devrait être good. Ok. Alors ça, ça m'emmerde par contre. Alors, du coup, courir, équiper le 7 samouraï, se laisser tomber, tomber au bout du pont, courir à droite et prendre Golden Rune. Ensuite, save and quit pour reset position ennemie. C'est quand on sera là-bas, je crois. Ah, il faut le faire vachement plus tôt! Putain, mais il le fait à quel endroit? Faut que je le fasse avant qu'il me voie, non? Je vérifie de mon côté, hein. Je vous montre pas, les mecs. Skip a bunch of the ones, but the people, I got that. Okay. Alors, est-ce qu'il serait TP? Ça doit être devant celui qui pionce, je pense. Ok, c'est juste devant. Ça marche. Il le fait une seconde avant toi et beaucoup plus vite. Ça y est, et on avait les suceurs de sardoche, maintenant les suceurs de disto. Je commence tout juste, hein. Au moins ça permet de réessayer ça. Oh, j'ai fait un peu tôt là. Je pense pas que ça passe. Ah si. Parfait. Non, par contre, s'il faut que je refasse ça à chaque fois, bah non, c'est jusqu'à ce que j'ai un site de grâce ici, mais. Compliqué. Hein. Jean a perdu sa save et pote. Mais quand je pense à Jean, sérieux, ça me fait tellement mal au cœur. Rendez-vous compte, hein. Jean, 90 heures de jeu. Seul problème du mec. Énorme trou de balle qui, au lieu de quitter le jeu de la façon normale, appuie sur Alt F4 à chaque fois. Et après, il osait faire le choqué en mode bouhou bouhou, j'ai perdu ma sauvegarde. Mais comment tu quittes ton jeu? Alt F4? Pourquoi? Bon bah, j'ai rien à te dire. Mérité. Il l'a mérité, je suis désolé, il l'a mérité. Oh. Attends, comment ça marche là du coup? Et ça? Est-ce que ça suffit du coup de faire ça? Alors ensuite. C'est Ben Quid pour reset position ennemie, longer les plateformes en passant à droite du dragon, passer devant le site de grâce. Je sais pas si je me dirige au bon endroit les gars. J'espère, mais... Alors ensuite, je crois qu'il faut aller en face. À droite du dragon, passer devant site de grâce. Je crois qu'on a même pas à l'activer du coup. Ensuite, faut que je fasse ça.
Ensuite, faut que je fasse ça. Ensuite, faut que je fasse ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, on fait ça. Je crois que c'est ça. Hein. On ramasse ça. Voilà. Je sais pas du tout si je me dirige au bon endroit, mais... Ça a l'air. Putain, il m'a fait peur ce con. Seven quit. Ensuite, du coup, il fait... Hein ? J'ai l'impression que j'avais encore l'aggro, ça marchait pas. Je peux pas ouvrir ma map. Et là, je peux l'ouvrir. Ok, il y a un petit souci du coup. Et alors du coup, le TP à faire, c'est map, triangle, gauche. Et c'est ça ? Porte sud de Rey Lucaria. Bon, je vais le marquer bien sur mes notes. Porte sud de Raya Lucaria. Ok, ça marche. Et là, on passe au prochain split. T'as toujours l'aggro ici ? C'est ultra lourd, ultra lourd. C'est pour ça qu'il force hit. En gros, c'est le dragon au-dessus qui te prend en aggro et empêche l'ouverture de la map. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que lorsque j'ai activé le site de grâce et que je save and quit, faudrait peut-être que je me mette dans l'encadrement de la porte plutôt que de rester vers l'extérieur pour save and quit. Comme ça, peut-être que je suis plus tranquille. Faut que j'avance un petit peu, quoi. Ou alors j'active le site de grâce. Au lieu d'avoir le cul vers l'extérieur, faut que j'ai le cul vers l'encadrement de la porte. Et là, ça devrait passer. Regarde où il se place sinon. Ouais, je vais regarder, mais je pense que ça devrait être ça. Hein, le... Ouais, ou taper une roulade, c'est vrai. Bon alors, du coup, je me mets là. Et maintenant, c'est l'heure de prendre les notes. Ah non, ça, je m'en fous. C'est l'heure de prendre les notes pour... le troisième split. Ouais, aussi, ouais. Il fait carrément les inputs plus rapidement, donc... peut-être que plus tard, on aura plus ce souci-là, une fois que ce sera bien entré dans ma tête, mais... alors. Je vous affiche ça. On aura peut-être le temps... Là, on est au Volcano Warp. Peut-être le temps d'aller jusqu'au quatrième split, hein. J'ai oublié une Smithstone, je crois. Je sais pas si c'est important. Non, j'ai pris la Golden Rune et... Non, non. Quand j'y suis, j'ai pris Golden Rune et la Somberstone, donc c'est bon. Non, non, je t'assure que j'ai pris les deux objets, je crois. À moins qu'il y ait un troisième et que j'ai oublié. Ok, on peut sauter plus tôt ici. Je me remate quand même les endroits où il passe pour bien que ça rentre dans ma tête. Ah, donc je l'ai pas noté tout à l'heure. Bah alors du coup, elle est où? Elle est sur le chemin, non? Ah, elle est ici peut-être. Ah non. Alors vous dites de la merde, attendez. Ou alors c'est après. Ah, c'est ça. Ok, ça marche. Ok, merci les gars pour l'indication, j'avais pas vu. Prendre pierre sombre. Avant site de grâce. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, porte de l'académie. C'est parti, on continue. Et là, dites-vous qu'on est presque
à la moitié du speedrun quand on a fini le split là, le prochain split. On sera à la moitié. Et je suis très curieux de tester là parce que on va faire le warp avec le volcan donc. Et surtout, en fait, j'aimerais bien aujourd'hui réussir. Oh, il faut que j'aille faire pipi. Je vais aller faire pipi. En fait, j'aimerais bien avant de couper le stream, arriver au moment où on fait le glitch avec le Sanctuaire. Tu vois. Bon, je vais faire pipi. Je reviens tout de suite. Je fais pipi. Un petit gâteau là. Alors, on reprend les notes. Attends, je regarde déjà qu'est-ce qu'il a dans son inventaire d'équipé là. Ok, il a la classique. Ok, allez, c'est parti. Donc, prendre ascenseur à gauche. Hey Glitchums, thanks for the 5 gift subs, dude. Appreciate it, buddy. Là, j'ai un peu peur, cette zone-là, elle fait peur. Surtout que là, il y a un glitch qui est compliqué à faire. Monter les escaliers. Ces deux ennemis-là sont chiants et c'est une zone où on peut se faire facilement one-shot en fait. Ok, donc là, monter les escaliers. Spam roulade. Puis save and quit. Je suppose que le save and quit c'est uniquement pour désactiver l'aggro. Save and quit pour des aggros. I failed the wrong warp in my TV and then accidentally jumped on torrent and I plus la porte en effet. So many mistakes. Ok, ensuite, dans l'église, prendre à gauche et sortir. Je saute la ligne. Alors, il descend le chemin. Je vois à peu près, oui, oui. Descendre le chemin. Descendre le chemin et passer le pont. Voilà. Ça, d'accord. Prendre à droite après le pont. Hey, slap me. Thank you for the 10 gifted. Appreciate it, buddy. Tomber derrière pierre tombale. Hein? Il a raté là. Ouais, ok, il a raté. Ok, et derrière pierre tombale. Prendre 7.
Attends, il roule d'abord sur les sur l'ennemi devant et il prend le 7 ensuite. Ouais, il fait une roulade. Donc roulade sur ennemi, puis prendre 7. Et là, ça se complique parce qu'en fait, il va faire un glitch où en gros... Enfin, c'est pas vraiment un glitch, mais... Il va se mettre au bord, là. Il faut que l'ennemi l'attaque bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'il lui fasse une attaque où il va choper notre personnage. Il va avancer un peu l'ennemi, du coup, il va avancer avec nous. Ça va nous faire tomber en bas et on va prendre aucun dégât parce qu'on est dans l'animation d'attaque du mec, je crois. Alors, c'est con, il a raté parce que je crois qu'il avait la bonne attaque, le Bookzer, en plus. Possible, Zima. Je pense que c'est aussi un impact sur l'aggro du mob. Ah, tu vois. Bah, parfait. Puis prendre 7. Laisser l'ennemi nous choper et tomber. Bon, alors c'est simple à l'écrit, mais par contre, dans la pratique, je pense que c'est compliqué. On prend pas assez de dégâts pour mourir. Un petit saut à la ligne. Ça, à practice, ça va être sympa. Hein. Prendre ascenseur vers le bas. Comment ça se fait qu'il a plus de magie? Quand est-ce qu'il a perdu des CP? Ah, avec la chope. Prendre ascenseur vers le bas et se soigner en PV PC. Voilà, prendre ça vers le bas et soigner, se laisser tomber en bas et se faire avaler par le thermomix. Ouais, Bouffy, t'inquiète, je sais. Tu fais bien de le dire, mais... Donc là, en fait, pourquoi il se fait tuer? Parce qu'en fait, quand le mob nous bouffe, il y a une téléporte, en fait. C'est comme un coffre piégé qu'on a déjà eu pendant le let's play, si vous étiez là. Donc là, au Monor Volcan, il prend à droite. Au manoir volcan, prendre à droite et sauter au sol vers les cages. C'est bien des cages, Kira. Non, ça marche pas, footcam et warp. Ça marchera quand j'aurai mon nouveau PC. Ok, il équipe l'autre set. Ouais, c'est vraiment Tom Tom, je suis d'accord. Hein. Équiper l'autre set sur le chemin. Eh ben attendez, on est passé à un autre split là. Qu'est-ce que je fais? Faut qu'on essaie. Prendre ascenseur vers le bas, se soigner en PVPC, se laisser tomber en manoir volcan. Ok. Vous m'avez pas dit qu'on avait passé à un autre split, les mecs, c'est quoi ce travail? Hop là. Du coup, faut qu'on essaye maintenant. Troisième split. Ok. Bon, on va essayer ça, hein? C'est parti. Je cache YouTube. Je remets ça. Et je vous mets la capture. Du coup... On passe la porte de l'académie. Ah, je pense qu'on va canner là. On va canner beaucoup. Hein. On va mourir à cause des connards magiciens et du bouffon qui nous chope mal, c'est sûr. Là, il prenait le chevaux quand même pour aller plus vite. Ah, j'ai oublié de sauter du coup. Faut que je saute quand je fais ça.
Le but c'est de copier Ella Jazz, essayer de faire mieux. Non du tout, déjà c'est même pas Ella Jazz qui fait cette run là, c'est Disto. Bon, tu voulais peut-être me clasher mais c'est raté du coup. Mais non, le but c'est juste d'essayer de faire un sub 1 heure sur en 90% quoi. Non, toujours PS5, je dis j'ai pas le PC pour, donc je suis obligé de faire encore sur PS5. Oh là, j'ai fait ça vite. Donc alors, le chemin de mémoire. C'est ça. Merde. Ça. Pas mal ça, non? Parfait ça. Alors par contre, c'est le chemin du manoir volcan. Je sais pas où je suis passé. Enfin, je sais pas où il est passé, Disto. Ah bah non, c'est bon en fait. Voilà, on est arrivé au bon endroit. Le split est fait. Par contre, je serais tenté de recommencer. Ah ouais, mais je crois que je peux me re-TP là où j'étais. Ah non, je peux pas. Je suis au manoir du volcan. Ah, j'aurais été tenté de retester, mais c'est pas grave. Bon bah parfait. Parfait. En plus, quand tu sautes de l'ascenseur, tu perds l'HP, donc après, quand tu termines ce shop, tu vas plus vite à la lave. Ah oui, c'est vrai, t'as raison ça. En fait, mais du coup, ça me servirait... Faudrait que je me soigne pile pour pouvoir descendre à la bonne hauteur. Je vais regarder ce qu'il fait exactement en Disto. J'ai pas regardé ça. J'ai pas regardé son setup pour ça. Je sais qu'il soigne. Ah, il est full vie, hein. Mais ouais, j'avoue que moi, j'ai fait par hasard. J'ai sauté peut-être un peu plus haut que lui. Du coup, j'avais moins de vie. Et peut-être que je suis mort plus vite, du coup. Je sais pas si c'est un réel impact. Je pense pas. Hein. Ouais, vu qu'il perd pas de HP en tombant, ça veut dire qu'il a plus de vie. Mon setup est peut-être mieux parce que j'ai moins de vie du coup quand il m'attrape. Je sais pas. Tu fais le bail avec le squelette, tu te bouffes pour tomber sans perdre de vie là. Ouais. Enfin, il nous fait perdre de la vie, mais pas assez pour qu'on meure. Ouais. Mais c'est ça. Oh là, au manoir volcan, prendre la droite. C'est bien soit et sauter au sol vers les cages. Ok. Ensuite, là, il va en face. Ensuite, il va longer à droite. Il faut bien roll à fond. Hein. Ok. L'équipe load 7. Tellement peur de canner sur ça, là. Ah. Ok, donc là, prendre objet. Prendre golden rune. À côté des limaces. Itadakimasu. Ah oui, merde, vous voyez pas. Excusez-moi. Pardon. Au final, vous avez raté rien du tout puisque je me suis retrouvé. Enfin, là, je viens de vous réactiver pile au moment où c'était arrêté tout à l'heure. Donc, il saute de l'autre côté. Ok. Remonter à gauche. Et prendre objet sur le toit. Et prendre. Ouais, je prends. Pierre sombre. Sur le toit. Probably never. Et. Direction. Est. M'orienter comme ça, hein. Je pense que c'est plus logique.
Ok. Direction est jusqu'à l'escalier. Puis ascenseur. Hop. Ça, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, là, c'est le split Godskin Noble. Ah, donc là, on va pouvoir glitcher le boss. Ça, ça va être compliqué. Hein. Alors, utiliser Golden Rune dans l'ascenseur. Il fait son petit menuing pour pas perdre de temps. You just did the dragon one today? Yeah. Ok. Prendre pierre sombre. À droite. Puis demi-tour vers escalier. Je sens que je vais me faire one-shot par cet enculé là. Donc là, je crois qu'il faut se faire tuer par le mob, non? Ok. Il fait un save and quit dès que le boss spawn. Ça marche. Oui, le doc, je le partagerai, les gars. Une fois qu'on aura terminé d'apprendre et de mettre les notes au propre, je ferai un doc hyper propre avec les time codes, etc. sur la run de Disto, etc. etc. Quand souligner où il faut, comme il faut, machin. Et je la partagerai. Je ferai un point d'exclamation run et vous aurez le doc. Alors save and quit dès que le boss spawn. Oui, ça va sûrement changer, mais au moins pour cette moi c'est le speedrun que j'ai continué d'apprendre. Donc alors maintenant le setup. Donc il setup avec l'arc parce que c'est. Attendez, faut que je vois. En fait, il se setup avec l'arc parce que quand on vise et qu'on avance avec l'arc. On peut avancer par petit à coup et du coup avancer moins qu'avec des petits à coups sur le stick sans viser. Donc ça permet vraiment d'être à la limite. Je pense que c'est ça qui fait, il se met au milieu. Jusqu'au moment voilà, où il y a Traverse the Mist. Est-ce qu'il recule un peu? Je crois qu'il recule un peu. Ouais. C'est une quit dès que le boss spawn. Donc ça c'est le setup pour le glitch. Hein. Viser à l'arc. Jusqu'à avoir la boîte de dialogue pour entrer. Ensuite, il rentre. Pourquoi il attend là? Alors ça, j'ai pas compris, les gars. Merci Ayman pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. De se coller à la fumée, de prendre son point de faire de backstep. Ouais, alors non. J'ai pas envie de tester d'autres trucs pour l'instant. Le truc. Oui? Oh, c'est l'heure du goûter! Oh! Des chouquettes! Oh, merci ma choupette! Merci ma chérie! Eh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Chouquette plus cookie. Ah, c'est délicieux. Merde, j'ai appuyé sur play. Merci beaucoup. S'il entre trop tôt, ça trigger quand même le boss. Il disait qu'il savait jamais trop le timing, du coup il attendait 5 secondes. Alors oui, ok, ça marche. Je prends l'info. Moi au départ, je pensais qu'il attendait, il sautait, il chargeait une course, il sautait, il appuyait sur le bouton course. Ensuite, il faisait demi-tour et il ressortait de la zone. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire. Il y a que les mecs qui ont déjà vu les runs qui peuvent comprendre. Hein. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça ou j'ai juste besoin d'attendre 5 secondes, je cours en arrière et je sors? C'est ça ma question en fait. C'est très bon les chouquettes. Hein. Ah putain, gros Bill, vous avez raison. Gros Bill time. Et putain, mais heureusement que vous êtes là. Vous êtes ma tête, hein, finalement. Ok. Je crois que c'est bon, les gars.
fait sur PayPal. Est-ce qu'il m'a fait la demande de paiement, ce bouffon? Où est ma demande de paiement? J'ai pas la demande de paiement. Alors je vais lui réécrire. Il est con, hein. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas, ces débiles? Bonjour. J'aimerais bien payer. Mais je me permets de vous repréciser que je n'ai toujours pas de demande de paiement sur PayPal. Pouvez-vous me dire si ça a bien été fait? Sinon, refaites-le. Trois petits points. Merci bien. Au revoir. Putain, j'ai affaire à des bras cassés. Hein. J'ai affaire à des bras cassés. Non mais sincèrement, les gars. Le mec me dit qu'il m'a fait ma demande de paiement. Sur PayPal, j'ai rien. Le foutage de gueule, hein. Ils veulent pas avoir de fric, j'ai l'impression. Je mets de côté ça. Merci EasyBlock pour ton prime. Alors, revenons-en au boss. Et là, normalement, c'est du décalcage de zigounette. Qu'est-ce qu'elle me dit, Menu? Ah, putain, alerte crotte! Je suis obligé de ramasser le caca du chat, sinon ça va puer. C'est bon les gars, alerte passée, avec brio. Avec brio. Bon alors. Arrêtez de vous passer de la drogue là les gars. Là. Arrêtez de vous passer de la drogue dans le chat, pas ça ici. Arrêtez, arrêtez, on va avoir des problèmes. Stop hein. Pas le chichon, pas le chichon, pas le spliff. Allumez-vous une guinze si vous voulez, mais alors là... Bon, on essaie du coup. Ah, c'est pas fini. Par contre, vous m'avez toujours pas dit du coup, les mecs. Hein. Est-ce que je dois attendre 5 secondes et avancer? Et ça passe? Ou alors, est-ce que j'ai autre chose à faire? Je sais pas trop finalement. Pour entrer, bon, je vais noter ça. Hein. Attendre 5 secondes. Puis courir à gauche et entrer dans la zone. Ouais, je pense que je vais juste attendre. Tuer le noble Sanctechair. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Activer site de grâce. So I'm gonna lose time here though because
I'm not actually this far ahead because now I have to talk to Melina. Ah, donc lui il a cette boîte de dialogue plus tard parce qu'il a pas fait l'erreur qu'on a faite plus tôt. De toute façon, il faudra qu'on reparle à Milena pour le faire ça. Donc, activer site de grâce, puis direction la table ronde. Ensuite. Mais dites donc, c'est la fin du split là. Ok, donc faisons ce split là. Ok. Donc la fin du split, les gars. On marche. Ok. Alors, est-ce que je vais me souvenir des endroits par où il passe? Je vous avoue que j'ai un peu zappé déjà. J'ai un peu zappé, hein. Ok, Green Lamp, ça marche. Donc du coup, au manoir volcan, prendre à droite et sauter au sol vers les cages, équiper l'autre 7 sur le chemin, prendre Golden Rune à côté d'Ilmas, remonter à gauche et prendre pierre sombre sur le toit, direction S du escalier, puis ascenseur. Bon, faut qu'on fasse ça déjà. Ah, j'ai perdu de la vie. Soigné. Du coup, faut qu'on se laisse tomber et qu'on fasse ça, sinon ça marchera jamais. Je pensais pas que c'était possible de tomber, enfin de se faire mal là, comme ça. Attends. Je suis con ou quoi là? Donc là, faut que je me laisse tomber, c'est ça? Mais je vais canner là! Faut que je regarde où est-ce qu'il tombe. Faut que je me fasse un petit repère pour savoir où je dois tomber. Alors. Saut. Il saute, si. C'est bien ce que je me disais. Saute bien. Merci Green Lamp, je sais pas si je t'ai remercié. Ah merde, j'ai oublié d'activer le 7. Ensuite là. On sera d'accord. Ensuite là. Ensuite à droite. Ah non, c'est ça ensuite. Ok. Inventaire. Les Golden Runes. Cet item. Save and quit dès que le boss spawn. Ok, faut que je me prépare à faire ça. Je pense que j'ai fait caca dans la couche là. Il m'a fait peur le son là. Je pense que ça s'est vu mais...
Ok, c'est bon. Je peux passer au moins? Oui, c'est bon. Ce qui est bien en plus, c'est que le jeu du coup considère pas qu'on est en fight. Donc on perd pas d'endurance. Ok, donc ça c'est fait. Activer site de grâce. On sera bon. Bon bah du coup les mecs, ça vous dit que... Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du split là... Je vais relancer une run. Comme ça, on s'entraîne sur sur la première moitié. Hein. Faut que ça rentre, hein, cette histoire, de toute façon. Hein. Je fais juste ce que je suis censé faire, normalement. Et du coup, j'ai jamais fait ce boss-là. En fait, on a fait plein de nobles sanctuaires, mais jamais le principal. Faut juste pas que j'oublie des objets quoi sur ma route. Bon, ce sera bon ça, d'accord. Ok, donc ça veut dire que maintenant on a les trois premiers splits dans les chaussons. Je vais essayer de le faire de tête. Parfait, je suis content. Je pensais pas qu'on arriverait jusqu'ici aussi vite. Je suis content. Là, le seul truc qui me stresse vraiment, là, c'est qu'on n'a pas beaucoup... Je me suis pas beaucoup entraîné sur le warp, en fait. Ça fait une moitié de run? Ouais. Exactement, tongue bleu. Allez, c'est parti. Je sais pas comment j'ai fait pour me souvenir qu'il fallait que je fasse ça. Le petit door skip. Et du coup, j'ai pas besoin de faire ça. Vous m'aviez dit je peux aller à gauche directement. Faut que je pense à le faire ça aussi. Ouais, faut que je note sur mon paplard justement pour y penser. Bon, là ça va, c'est pas trop compliqué hein, de toute façon. Bon bah ça voudrait peut-être dire qu'on y arriverait plus tôt que prévu à cette histoire. Je pensais pas mais... Donc là door skip aussi non si je ne m'abuse. Merci Devil Dante pour ton 4e mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci beaucoup les mecs. Hein. Ah mais j'ai désactivé les alertes aussi, c'est pour ça que je les entends plus. Ah oh, je suis désolé les gars. Pardon. Je les avais désactivés au début du stream pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe, et au final... pas professionnel, hein. Désolé. Attendez, faut que je sois encore tout nu ou pas, là? Non, je crois que c'est plus tard que j'active ça. Et donc là, faut que je fasse ça. Ça. Je vérifie si il met l'invocation ici, je suis pas sûr. Merci Chingu pour ton 3e mois d'abonnement, c'est très très gentil. Et merci aussi Magix. Merci beaucoup Magix pour tes 5 subs offerts. Merci pour Rose, Simon, Batatou, Twitolas, Exive. C'est gentil les gars. Vous remerciez, hein. Vous remerciez en bonne et due forme, hein, si vous avez quelque chose. Hein. Et
merci Gachi, et merci Matlini pour ton deuxième mois d'abonnement. Le mec re-signe. Re-signature de contrat demandée, merci beaucoup. Et merci Gachi99 pour ton deuxième mois d'abonnement, c'est gentil les mecs. Merci beaucoup. Merci Injal27 pour ton deuxième mois. Merci pour la re-signature les mecs, hein. Ça fait plaisir. Hein. Bon, on va bien y arriver. Hein. J'ai peur pour le... Alors attendez, quand je fais le warp, c'est... Raccourci... haut... Gauche-croix... C'est compliqué quand même. Hein. Raccourci haut, gauche-croix... Ensuite... Touchpad, triangle, L1, bas, croix. Deux fois croix. C'est compliqué, hein. Merci Baggy pour ton sub offert à pistache, merci beaucoup. Faut que j'y pense aussi aux cinématiques. De toute façon, je serais beaucoup moins rapide sur le menuing. Hein. Oh, summon me. Ok, maintenant. Alors déjà, ça va jarter parce que ça va nous faire pendant la run. Ça. Voilà, on va dire que c'est plus ou moins rapide. Donc, graines dorées, faut pas que j'oublie. Graines dorées, je prends et j'active le site de grâce sur le chemin. Merci à Ballon Éternel pour ton 8e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bientôt un an, hein. Il est tellement infâme ce centre d'effect. Ok, j'essaie d'éviter les ennemis. C'est bientôt le wrong warp. Et là, c'est les sauts un peu chelous, donc ça me fait peur aussi. Donc là, je m'en souviens. Voilà, parfait. J'ai eu peur. Là, on attend les loups. Merci Totosaur pour ton deuxième mois. Merci pour ta re-signature de contrat. Donc là, c'est bientôt. C'est après ça. Trop con. Oh, ça passe. Et là, j'ai réussi la bonne strat en plus. Ah putain, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Ah, j'étais à ça d'appuyer comme il faut. Fais chier. Pas grave, c'est reparti. C'est que partie remise. Oh, l'autre pute qui nous parle. Pardon, hein. Pardon, c'est Mélina quand même. Enfin, Malenia. Je sais plus. Non. Je m'en fous. Ah, oh, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Faut que j'appuie beaucoup plus vite. Mais c'est pas possible! Bon, je vais le speedrunner, je vais appuyer super vite. C'est que tout à l'heure, le timing, il était tellement serré que j'avais le temps d'attendre. Et là, en fait, faut juste que je le fasse super vite. Ah, c'est bon, je pense. Voilà, parfait. Ok,
Donc maintenant, je sais même plus ce qu'on branle. Ah oui. Donc là, il faut que j'aille prendre le téléporteur. Et quand est-ce qu'on se refroque, les mecs? J'ai oublié. Ouais, gros bill après, les gars. Hein, c'est bon. Ça attendra. Je fais ça d'abord, sinon je vais perdre du temps. Ok, utiliser le téléporteur. Bah merde. Ah oui, que je m'en rappelle. Site de grâce. Voilà. Ok, c'est parti. On va prendre la petite hachette. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me souviens maintenant. J'ai l'impression que c'est bien rentré pour l'instant. Ensuite, nord-gauche. Ouais, c'est juste du pathfinding, hein, les 15 premières minutes. Ça devient chiant à partir du... Enfin, dès que tu commences à tomber sur des boss. Hein. Ah merde. Ah, en exclamation alerte, les gars. J'avais pas vu, vous avez raison. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est à cause de vous! Je vais pas mourir maintenant. C'est bon. J'ai eu peur. Après, si tu fais trop vite, c'est ça, je trouve que t'es pas aussi avec encore la torche. Ouais, faut le faire au bon moment. En gros, t'entends le bruit de ton bone, de ton homeward bone. Ça fait couche, un truc comme ça. Faut appuyer au bon moment. Sinon, ça marche pas. Alors ensuite. Donc c'est le plus haut beffroi. J'ai peur d'avoir oublié de ramasser un objet. Hein. Vous me dites hein, si j'ai oublié un truc, hein, parce que... Donc là, du coup... Il est chiant, lui, hein, avec son aggro. Tout à l'heure, on était passé à travers, mais... Bon, au moins, on sait qu'il faudra qu'on fasse gaffe avec lui. Et là, faut pas que je fasse le skip à la fin. J'ai oublié de me reposer, non? J'ai oublié de me reposer. Allez, ça va le faire. J'espère que je vais pas me chier. Ouais, j'ai vu les gars. Ça. Et là on est d'accord qu'il faut que je fasse le warp direct, non? Je crois, hein. Je sais plus. Putain.
Oh, j'ai essayé de me rattraper à la fin, je sais pas si c'est passé. J'espère. Putain, parfait. Oh, je suis trop content, je pensais que j'avais chié le truc, c'est parfait. Alors là, il faut pas que j'oublie que j'ai 3 objets à ramasser. Faut que je fasse un save and quit pour annuler l'aggro. Et on sera bon. Je dis que j'ai un objet à ramasser et je canne. Après, en vrai, j'aurais pu le faire sans, mais c'est juste que vaut mieux que je m'habitue à le prendre au cas où si j'oublie quoi. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Ça va nous permettre de retry ce truc là. C'est vrai qu'en fait, ça passe tellement vite après là le truc. Parce que direct, ensuite, on arrive au truc du volcan. Ouais, c'est quand même rapide, hein, cette histoire. Ah, ça y est, c'est le retour de Jean Slim. On se demandait où il était passé, celui-là. Merci, Jean Slim, pour tes 5 subs offerts à la communauté. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas, je crois que je l'ai fait trop tôt. Putain. Royal, royal, royal. On est les 3000, on a les 3000 subs. Vous êtes certains? Les 3000 subs de retour. C'est donc notre chiffre. On bougera plus des 3000 les gars, c'est signé hein, j'espère. Merci les mecs hein. Merde. Un peu fait le con là. Bon, désolé les gars, je me concentre juste là, faut pas que je me fasse toucher parce que sinon je canne. Je me rappelle plus trop du chemin en plus. Ok, donc ensuite c'est droite. Faut que j'active ou pas le site de grâce là? Je crois qu'il faut que je passe à côté. Je sais plus. Non, je crois que j'ai pas à l'activer. Ah, je sais plus. Je crois que j'ai fait une bêtise. Et celui-là, je l'active ou pas, les gars? Je me rappelle même plus. Celui-là, faut pas que je l'active non plus, on est d'accord? Ça je prends pas. Ça je prends non? Ah non, ça je prends pas. C'est quoi ça? J'ai peur ce con. J'essaie de faire la technique de la roulade pour pas voir l'aggro.
Je peux ouvrir la map, c'est bon. Donc là, c'est porte sud de Raya Lucaria. Ok. Maintenant, mission se... Merci Kayon pour ton tier 1, bienvenue à toi. Signature de contrat, les mecs. On n'arrête plus. Merci Jiko aussi pour ton 3e mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci beaucoup, les mecs. Merci du soutien. Alors maintenant, on ouvre le cheval. Un petit coup de course quand même. On saute à travers, comme ça on gagne du temps. Ok. On passe à prendre l'ascenseur à gauche, monter les escaliers, spam roulade. Save and quit pour des agros dans l'église, prendre à gauche et sortir. Sans le chemin passer le pont. Ok, ça devrait le faire. Pas fait très vite parce que je pensais que j'avais chié, mais c'est pas grave. Passe. Autoriser ça. C'est osé ça. C'est osé José hein. Allez, faut-moi tomber. Chut, putain. On est arrivé direct la première fois. Je sais pas si ça va me sauver ce que je viens de faire. Ça va être un peu compliqué. J'ai aggro le mauvais. Je vais recommencer, Faut que je fasse une roulade vers moi en fait. Je sais pas si mon placement est bon aussi là-dessus. Je pense que si, mais... C'est pas le bon. Je sais pas trop quoi faire là. Je pense que je vais me retéper à Raya Lucaria. Je vais recommencer tout le chemin. Il veut pas me faire le truc. Il fait chier. Je vais refaire un petit TP en arrière pour pouvoir reset le truc, sa position et tout. Peut-être que il faudrait que je regarde sur la run de Disto, mais... Peut-être qu'il y a un endroit où il se met pour aggro le mob. Enfin, quand le mob est aggro. Qui fait qu'il y a peut-être un peu plus de chances qu'il nous fasse la chop plus qu'une autre attaque, quoi. Je sais pas, on va voir. Attends, j'ai l'impression d'avoir été à la bonne distance. En tout cas, on le fait bien. C'est juste que là, on n'a pas eu de chance, je pense, avec les attaques. Oh putain, je fais faire une bêtise. Ça run, il loupe aussi, je crois. Ouais, bah de toute façon, c'est pas consistant comme... Enfin, consistant, ça n'a aucun sens. En anglais, oui, mais pas en français. C'est pas régu comme truc ça. Faut avoir un peu de chat. Hein. On l'avait fait first try tout à l'heure, mais on a eu de la chance. Hein. Allez hop, c'est parti.
Essayer de pas me refaire toucher cette fois. Bon, la porte est ouverte, donc ce sera plus simple, mais... Arc, t'es débutant. Je joue prisonnier, hein. Prisonnier astrologue. Joue avec la magie, les invocations et les esprits. Arc, c'est pas mal, mais bon, j'ai pas vu pas mal de gens... Enfin, j'ai pas vu de gens y jouer... J'ai pas vu de gens faire un build arc dans le jeu, quoi. Donc, pour un débutant, je pense pas que ce soit non plus la meilleure des solutions. Merde, hein. Et là il le fait. Là il a fait la chope. Ah, il est con, s'il avait fait la chope en première intention, c'était bon et il nous l'a fait en seconde. On va réessayer, hein. Faut être près du mob, je crois, pour qu'il lance cette attaque. Non, non. La preuve, on était prêt tout à l'heure. Il nous a foutu une mandale, donc. Comme j'ai dit il y a 2 minutes, c'est juste... tu peux pas prévoir. Tu peux peut-être optimiser ta position, mais... ça sera pas 100% assuré à chaque fois, quoi. J'ai envie de réessayer le bug avec le... avec le sanctuaire cher là. Je crois que ça va être l'endroit avec un peu de RNG qui peut tuer ta run. Ouais, bah je pense que si j'arrive pas à. À terme, hein, si vraiment je veux faire des bons temps dessus. Si en première intention ça passe pas, bah c'est reset. Hein. Ou alors si je tombe. Et que j'arrive à faire un save and quit. Un quit. Un save and. Oui, c'est ça, un save and quit. Ok. Mais sinon, ouais, je recommence. Hein. Rater une fois, c'est bien. Rater plusieurs fois, c'est mort. Oh là, j'ai mal au trou du cul. Qu'est-ce qui m'arrive? Aïe aïe. Aïe 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 aïe, ça fait mal là. Maladie là. Ah. Mon trou de balle est... Bon allez, je réessaye une dernière fois. J'essaie une dernière fois, si ça passe pas, tant pis. Je vais regarder, tiens, avant de recommencer, le placement qu'il a là-dessus. Disto. Pour qu'on puisse le faire, quand même. Peut-être un endroit sur la pierre où il se met... il se met mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Roulade pour pousser le mob. Ok, un peu plus à gauche. Tout petit peu plus à gauche. Je vérifie si c'est ce qu'il voulait ou... Ouais, un petit peu plus à gauche. Ok. Bon, ça nous fait perdre du temps in-game time, mais c'est pas très grave. Hein. On s'entraîne. Pour CQ, si tu meurs et ne pas refaire tout le chemin, bah parce que si ça marche dans le vrai speedrun, je le ferai de cette manière-là, donc... Si je m'habitue à faire quelque chose que je suis pas censé faire, je vais le refaire par automatisme, donc... Vu que je suis pas censé le refaire, bah j'active pas, quoi. Allez, faut que ça passe là. Et 38.
Faut que je décale en plus. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais bien que ça marche. J'aimerais bien que ça marche. Ça marche pas, tant pis. Hein. Ah, c'était bien là. Et là, ils me font la chope par contre, hein. Là, il n'y a aucun souci, hein. Bande d'enculés, va. Allez, s'il te plaît. Sois gentil, le zombie. La chope. La chope. Oui. Ah, le fils de pute, l'autre enculé qui m'a touché. Hein. Ah, l'autre con qui m'a touché. Il est mou du genou, hein, quand même. Hein. Allez, plus vite que ton comparse. Ah. Ah, dommage. Bon, allez, der, der. C'est dommage, genre l'autre il est lent. Hein. Ah, comment on a fait pour le faire first try hein, tout à l'heure? On a eu de la chance, hein. Quand tu roulades, tu rapproches trop le mob des deux autres derrière. Mmh. Impression que c'est ce que fait Disto quand même, hein, donc. On l'a fait tout à l'heure, ça nous a pas posé de problème, donc. Bon, je vais l'activer au cas où. Je pige pas le One Warp, j'entends bien le son de l'item, je TP et je me retrouve jamais dans le vide. C'est ton timing qui doit être mauvais. Moi c'était ça, hein. À chaque fois que j'ai raté, c'était mon timing qui était pas bon. Pas encore Rogoville, pas encore. Pas en let's play en tout cas. Bien que ça marche, hein. Ah, quand même. Quand même. Là, il était décidé. J'ai peut-être un peu mieux réussi ma roulade. Peut-être pour ça aussi. C'est quand même un peu... au petit bonheur la chance, hein. J'ai pas l'impression qu'en fait avoir moins de HP ça change parce que du coup le mob finit son animation de mangeage. Pour que le jeu considère que notre barre de vie est à zéro et qu'il peut enchaîner avec l'animation de mort, enfin le texte, il est obligé d'attendre la fin de l'animation du mob. Donc je pense que ça sert à rien. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Hein. Voilà, je crois que je suis pas bien. Ah si. Bon. Mais quel con.
C'est chiant de devoir poser pour pouvoir ramasser là. Sans ça, ce serait parfait. On a la rune dorée au moins. Je vais pouvoir me réentraîner à le faire, c'est pas grave. Je sais même pas qui me tue en fait à cet endroit-là. Enfin, cette armure, elle est jolie quand même. Hein. Je crois que c'était une armure qu'on avait dans le network test, ça. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que si, c'était dispo. Ah, y a pas besoin de cette rune. T'es sûr de toi, mon ami, là? Tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises ou tu dis vrai? Ah, il la prend par réflexe. D'accord, ok. Ça marche. Bah, vous faites bien de le dire. Ok. Bon bah, c'est bien de mourir là, au moins je sais qu'il y a ça. J'avais pas capté sur la run tout à l'heure qu'il y avait cette merde là. Il dit qu'il faut qu'il arrête de la prendre. Ok, ok. Bon bah, merci pour l'indic. Heureusement que vous êtes là, hein, les gars, hein, parce que... Encore le temps d'arriver au boss. Du coup, en fait, je pourrais carrément passer par là, du coup. Au lieu de faire le saut sur la limace, si vous me dites que c'est inutile. Mais ce serait plus rapide. Ah, je pense. Ouais, du coup, ouais. Le pass est totalement différent en fait. Assez tôt, mais ça devrait passer. Tu appuies sur deux boutons avec un doigt en même temps à cet endroit-là. Ça passe. Un, deux, trois, quatre, cinq. Nickel. C'est parfait ça. C'est vraiment pas compliqué à Régus, ça, j'ai l'impression. Ou alors je le fais bien et je sais pas comment je fais depuis le début, mais... Bon bah je suis content, ça veut dire que du coup la prochaine fois on pourra... Je pense que la prochaine fois ce que je ferai... Parce que je vous rappelle les gars, je suis obligé de couper le stream puisqu'à 17h je suis occupé. Du coup demain, ah peut-être pas demain, mercredi peut-être plutôt. Mercredi ouais, je pense que demain je vais pas streamer. Donc là normalement on fait ça. Ensuite aller au bastion. Voilà. Ouais, faudrait tester les images, j'avoue. Je testerai la prochaine fois. Ou je testerai en off, tout simplement. Je pense que je testerai en off. Le fait que tu sois pas considéré en combat, c'est abusé. Il y a un glitch exactement pareil dans l'arène de Mog. En gros,
Mog, quand vous le rencontrez la première fois. Bon, du coup, je vais quitter. Je vais voir le in-game time qu'on a. 32 minutes. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que j'ai reset plein de fois des glitches. Si on avait eu first try, on n'en serait pas à ce point-là. Mog, en fait, tu le fais spawn une fois. Tu save and quit quand tu l'as fait spawner. Du coup, maintenant, il y a un mur doré devant la porte de boss. Et il y a un moyen de monter dans l'arène sans passer par cette truc de boss. Et du coup, Mog, qui est l'un des boss les plus durs du jeu, bah, il bouge pas. Et tu fais que de l'enchaîner dans un coin jusqu'à ce qu'il décède. Donc, je crois que Godfrey, c'est possible aussi, ouais. Bah, y a un skip de Godfrey, hein, de toute façon. Je sais pas s'il le fait dans les 10%. En tout cas, j'ai mes dots à droite. Ce que je vais faire, du coup, c'est que ces notes-là, je vais les mettre au propre. Je vais me réentraîner tout seul, je pense, dans mon coin, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Jusqu'à ce split-là, en fait. Parce que après, ce sera l'autre moitié du speedrun. Par contre, l'autre moitié, je vous le dis tout de suite. Hein, là, c'est bien, on s'est débarrassé de ça aujourd'hui. C'est la partie la moins intéressante parce qu'il n'y a pas de boss fight. Ou alors, contre des sacs de frappe, donc c'est un peu nul. Mais après, c'est autre chose. Hein, des combats de boss, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, ce qu'on fait. C'est qu'aujourd'hui, vu que j'ai streamé, d'habitude, je stream pas le lundi. Demain, repos. Donc, mardi, je fais rien. Mercredi, 13h jusqu'à 18h, je pense. Donc, plus de temps qu'aujourd'hui. On fait la suite du speedrun. Jeudi, je stream pas en journée. Et le soir, on se retraîne sur le speedrun. Je pense qu'on aura, du coup, toute la run apprise. J'espère. Et à 22h, on fait le petit... comment ça s'appelle ? Le petit state of play. Et après, en fonction du jour où je reçois mon PC, si je reçois mon PC, eh ben, stream installation de l'ordinateur. Hein. Et puis en plus, c'est bien parce que comme ça, quand je speedrunnerai Elden Ring, on aura la possibilité d'avoir un chrono. Hein. Ce sera parfait. Bon bref, en tout cas les gars, merci mille fois. Encore une fois, on a atteint les 3000 subs. Faut que ça reste maintenant, j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Hein. Merci à tous les sub-gifters, tous les gens qui donnent des subs, Bossword, Darkos, Fatboob, aujourd'hui vous avez été fous. Et merci à tous ceux qui se subent de façon normale, sans avoir de cadeaux, c'est très gentil. Merci surtout d'avoir été autant, je pensais pas qu'un lundi on allait être autant. Franchement ça fait plaisir. J'ai tellement hâte qu'on réussisse à avoir un temps en 10%, c'est galvanisant là. Et voir que ça se passe bien aujourd'hui, je suis rassuré. J'ai un peu plus peur pour la deuxième partie du speedrun, mais je pense que ça va être cool à faire. Bon, dans tous les cas... Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Tiens, bah, je vais... on va faire un truc. Raid Sir Thomas. On va raid Sir Thomas. Et vous lui mettez des cœurs. Hein, c'est la communauté des Sirs. C'est pas la caca box. Hein. Donc, vous lui mettez des cœurs. Il adore les cœurs, Sir Thomas. Attendez. Que je fasse le truc comme il faut. Hop. Bah, je sais pas pourquoi ça marche pas. Comment on fait slash... C'est un raid, hein, c'est ça? Bah ouais. Sir Thomas _. Vous avez déjà un raid en cours. Ah bah parfait, nickel. Bon, vous faites des cœurs, les gars, hein, là-bas. Et vous suivez Sir Thomas, c'est vraiment un excellent streamer, j'aime beaucoup. Allez, un petit raid chez Sir Thomas, il fait du Farming Simulator. Hein, donc vous lui envoyez des cœurs, des petits cœurs à Sir Thomas de la part de Hugo Delia. On se dit à mercredi, les gars, 13h pour la suite du speedrun. Encore merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très très vite. Passez une bonne fin de journée. Et encore merci. Hein, encore merci. Allez, salut tout le monde.